D'être présent pour cette veillée. Vous le savez, ça me tient toujours très à cœur et ça fait maintenant voilà, un moment de compagnonnage entre l'UEJF et la Yeshiva des étudiants. Et je crois que c'est une richesse pour nous, une chance et un honneur de pouvoir travailler ensemble et avoir surtout vos enseignements, cher Rav Zizek. Donc merci beaucoup à vous pour cela, à vous tous d'être présents, et évidemment à Yosef Murciano, secrétaire national de l'UEJF, de coordonner toutes les études avec la Yeshiva des étudiants et le Rav Zizek. Merci beaucoup. Alors, j'introduis un peu le sujet. C'est-à-dire que le côté actualité ne m'intéresse pas du tout, hein. Mais au mois de novembre, il y a plusieurs des étudiants qui viennent étudier les Shiva m'ont parlé de ChatGPT. Et donc je ne savais pas du tout qu'est-ce que c'est, je n'avais même aucune idée. Et j'ai constaté qu'il y avait une déferlante de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Bien que ça paraît clair que l'intelligence artificielle est quelque chose qui est dans la vie quotidienne depuis des années, dans tous les domaines. Absolument dans tous les domaines. Mais je dirais que l'impression que j'ai, c'est que le ChatGPT, c'est un peu comme le PC il y a 40, 35 ans, c'est amener l'intelligence artificielle dans la vie directe de tout un chacun. Alors, disons, comme tout le monde, je me suis un peu intéressé à ça. J'ai essayé de lire des choses sur ce sujet. Maintenant, je dirais ce soir, ce qu'on va essayer de voir, ce n'est pas un exposé sur l'intelligence artificielle, mais sur l'intelligence humaine. C'est-à-dire que il y a des machines extrêmement élaborées, hein, que, comme vous le savez, une machine très 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 élaborée maintenant et qui ont des résultats que l'humain ne peut pas produire ces résultats par lui-même. Maintenant ça pose la question: est-ce qu'il y a une spécificité de la pensée strictement humaine? C'est quoi la pensée humaine? Alors, voilà. Alors, sur le fond, j'aimerais, nous, à l'Yeshiva des étudiants, j'en ai parlé un peu avec tout le monde qui fréquente l'Yeshiva, pour à terme faire une journée d'études approfondie sur le sujet. Donc là, c'est déjà, je dirais, ce qu'on va faire ensemble, c'est un début de travail sur le sujet. Alors, évidemment, sur la spécificité de la pensée humaine, il y a pléthore de textes. Hein. C'est pléthore. Par quelle entrée? Alors, je vous suggère de voir un passage connu, la Flemetret Amoudbet dans le traité Sanhedrin. Et ensuite, on va voir le commentaire du Maharal de Prague dessus. Alors, je vous passe les photos. Voilà. Alors, bonsoir. C'est la 12e ligne en haut de Sanhedrin, la maîtresse Amoudbet.
Amar Ravacha Makra de Agma, Amar Rabbi Yochanan Bachanina. C'est bon? Ouais. Alors, en haut, deuxième ligne. Amar Ravacha Makra de Agma, Amar Rabbi Yochanan Bachanina. Rabbi Acha de la ville de Akra de Agma dit au nom de Rabbi Yochanan Bachanina. Shtemesre Shaot ave ayom. Le jour à 12 heures. Le jour à 2 heures. 12 heures. C'est-à-dire, on parle du jour où Adam a été créé. Ce jour à 12 heures. Alors, quand on parle du jour dans le Talmud, c'est depuis le lever du jour jusqu'à la sortie des étoiles. Pour faire simple, hein, je ne rentre pas dans les détails. Depuis le lever du jour jusqu'au coucher du soleil, il y a 12 heures. La première heure, donc, c'est le « Here comes the sun ».« Here comes the sun », le soleil se lève. Le jour à 12 heures. Sha'ar Rishona Utzbar Afaro. La première heure du jour, la terre avec laquelle l'homme va être façonné a été ramassée. Utzbar, il y a le mot Tzavar, Tzibour. Ouais, la terre avec laquelle l'homme est façonné a été rassemblée. Shnia, la deuxième heure, Nasé Golem. Salut. Ça va, tout va bien. Vous voulez passer incognito peut-être? Alors, est-ce qu'il reste des textes? Vous pouvez passer un sur deux, hein, pour le... Moi, c'est pour ma documentation. Quand je détruirai les drogues, je vais l'apprendre. Mais bon, tant pis. Mais vous suivez avec mon ami. Alors. On y va. Donc, la première heure que l'homme, Adam, le jour où il était créé, la première heure, la terre a été rassemblée. La deuxième heure, Nasé Golem. C'est-à-dire, la deuxième heure, ça a été une forme, il a été façonné. Golem, c'est-à-dire, c'est une forme sans vie. Hein, c'est une forme sans vie. La forme a été façonnée, ce qu'on appelle Nasé Golem. Shlishit nimteru evarav. La troisième heure, cette forme. Alors, j'ai mal dit. Nasé Golem, c'est-à-dire un tas informe. Et ensuite, ce tas informe, qui s'appelle Golem, les membres se sont différenciés. Les jambes, la tête, les pieds, les mains, les membres. Nimtechu evarav, on va voir dans un deuxième temps qu'est-ce que ça veut dire. Ces membres se sont formés. Revi'it, quatrième heure, Nizrekabo Neshama, l'a été insufflé l'âme. Chamishit, cinquième heure, Amad al-Regalav, il s'est tenu debout. Shishit, sixième heure, Kara Shemot, il a donné des noms, la sixième heure, il a donné des noms aux animaux. Des noms aux animaux, à ce qu'il voyait, Kara Shemot. Shvit, septième heure, Nisdav Galo Chava, lui a été épousée Ève. La huitième heure, Shminit, Alou Lamita Shnaim Veyardou Arba,
La huitième heure, ils sont allés dans le lit 2, ils sont descendus à 4. Alors là, le temps de gestation du fœtus était rapide. Hein? Donc là, le c'est-à-dire, la huitième heure, donc ils se sont, Adam et Ève sont allés ensemble dans le même lit, et tout de suite il y a eu deux enfants, Caïn et Abel. Voilà. Neuvième heure, Nistave, Shelo, Lerol, Minaïlan. La neuvième heure, il a été enjoint de ne pas manger du fruit de l'arbre. Asirit, Sarar. La dixième heure, il a fauté. Arat Esre, la onzième heure, il a été jugé. Shtaim Esre, Nitrad, Valarlo. La douzième heure, il a été renvoyé du jardin d'Éden. Vaste programme, tout ça en une journée. Bien. Alors, le Maharal de Prague, dans le Tiferet Israël, je vous passe, parce que, en vérité, c'est un texte, si vous voulez, les textes du Talmud, ce qu'on appelle de Haggadah, sont des textes, quand on voit en première lecture ou en dixième lecture, moi je serai en face d'un texte comme ça, jusqu'à la fin de mes jours, je bâillerai aux corneilles. C'est-à-dire, on ne voit pas quel est le sujet. Hein. Qu'est-ce que c'est un peu des contes à dormir debout. Alors, le Maharal de Prague. Donc, le Maharal de Prague, sa vie, son œuvre. Dino, c'est l'époque. Ah. Comment ? Monsieur. Comment ? 16e siècle, voilà. 16e siècle. Donc, le Maharal de Prague, comme son surnom l'indique, il était à Prague au 16e siècle. Il a vécu presque centenaire. Il avait vécu presque centenaire tout le 16e siècle. Hein, tout le 16e siècle à Prague. Bien. Alors, le passage que nous allons voir est un passage d'un livre très important qui s'appelle le Tiferet Israël. Alors regardez, là il rapporte le passage que nous venons de voir dans le Talmud, et nous allons voir, je vais le lire, le traduire, essayer de développer, hein. Voilà. Donc ce passage est un petit peu, c'est comme des passages qu'on appelle d'Haggadah, de la Haggadah, des passages un peu ésotériques. C'est des passages du Talmud qui sont ésotériques. Ba levaer metziut a Adam ou Mauto, lomar chez Adam ou Akol. Ce passage vient expliquer on peut passer un texte à... Je suis avec, Sam. Balevaer metziut Adam Mauto, ce passage vient nous expliquer l'existence de l'homme et son essence en nous disant que l'homme est une globalité. L'homme est une globalité. Alors, regardez, moi, je suis shooté au Maharal de Prague. Alors, ma mission, c'est vous inoculer mon addiction, vous comprenez ? C'est ça, ma mission. Alors, Jérémy, je vous explique un peu. On en est là. Là, les variants, mais c'est Adam. Alors, le langage du Maharal est un peu philosophique. Il utilise un langage philosophique. Voilà. Bon. Donc, ici, le sujet. Donc, je reprends. Ce passage du Talmud que nous venons de voir, d'Aflametret Amoudbet dans le traité Sanhedrin, nous dit qu'il y a eu 12 heures, lors de la création de l'homme, il y a eu 12 heures, le jour complet. Pourquoi un jour complet ? Parce que ce texte vient nous dire
Quel est l'essence de l'homme? C'est le sujet, si vous voulez. C'est quoi la spécificité humaine? Eh bien, le Maharal, il y a en 1580, il travaille, c'est quoi la spécificité humaine? Il dit, c'est ça ce que le Talmud nous travaille ici. Balevaer metziut adam amouto, ce texte va nous expliquer l'existence de l'homme et son essence en nous disant, chez Adam ou Akol, que l'homme est une globalité. Le Ficar, ilou loaya beriato kochnem asar shaot shel kolayom, shayom ou a metziut valaila ou aider, ke moshe parpa merbe, loaya adam rakrelek ou mixat. Le passage nous dit que la création de l'homme, finalement, c'est une globalité de 12 heures, un jour entier. Si l'homme, le processus de création de l'homme, avait été moins qu'un jour entier, ça veut dire que l'homme aurait été une partie et non un tout. Parce que le jour représente l'existence et la nuit, l'absence, la non-existence. En langage, si vous voulez, analytique. Donc ici, le Maharal tout de suite, le Maharal de Prague, nous dit qu'il faut aborder ces passages bizarres du Talmud, pas comme des petites histoires, mais, si vous voulez, comme des théorèmes, si on peut s'exprimer ainsi. C'est analytique. 12 heures, c'est une globalité. 12 heures du jour, c'est l'homme, c'est l'existence. Mais une globalité d'existence. Mais d'avancé, et non qui Adam ou Akol, l'homme est une globalité. C'est pour ça son existence, sa création, a pris tout un jour, le jour qui est l'existence. Voilà. Via Eder, chez Dabek, Adam, chez Evchar, chez Loye, Eder, Dabagbo. Et même, dans l'existence de l'homme, il y a aussi une part de néant, car c'est impossible qu'il n'y ait pas une part de néant dans l'existence fondamentale de l'homme, comme nous allons le voir. Maintenant, la deuxième ligne, la colonne de gauche. « Ve'amar sharishona utzbar afaro ». Le texte du Talmud nous dit que la première heure, la terre a été rassemblée. Quel est l'enseignement là-dedans? Qui kol davar yeshlo chomer mukhan lekabel atsura, ki en kol chomer mukhan lekabel, v'ne amadraga rishona yalo chomer mukhan, v'ze she'amar sharishona utzbar afaro, katsover ha'afar ou amerin adavar lekabel ma'ishe la'atsot. Il veut dire que la première heure, la terre par laquelle l'homme va être façonné a été rassemblée. Pourquoi? Parce que ici c'est un enseignement que la matérialité de l'homme est une matérialité qui est apte à recevoir à recevoir l'âme humaine qui va lui faire la spécificité. L'homme n'est pas créé à partir de rien, il est créé à partir, on le sait, à partir de la terre, mais pas n'importe quelle terre. C'est-à-dire que c'est comme, si vous voulez, un potier. Alors ça, c'est le Maharal, comme beaucoup de nos maîtres, prend un langage un peu aristotélicien. Bon, hein, on a tous lu un peu d'Aristote, entre la poire et le fromage, mais Je prends l'image aristotélicienne que le Maharal utilise. Pas seulement le Maharal, le Gaon de Vilna, nos grands maîtres utilisent beaucoup du langage aristotélicien. Ça veut dire quoi? Disons que nous soyons potiers. On est potiers. Voilà, à l'UEGF. Atelier poterie. Voilà, il y a une section potier. Alors, on va faire une cruche. On a l'idée d'une cruche. Qu'est-ce qu'on va faire?
On va prendre de la terre pour faire cette couche. Mais on ne prend pas n'importe quelle terre. On choisit cette terre. On prend, je ne sais pas, du kaolin, une certaine sorte de calcaire, certaines sortes de grès. On choisit la terre qui va être apte à ce que notre pensée va informer la matérialité qui est la terre. Il y a l'image dans Aristote qu'on trouve Homer Vetsura. Il y a une grande différence entre le langage de Platon et le langage d'Aristote. Ça, c'est connu, hein, Elie. Mais regardons, j'explique. C'est une chose importante. On croit comme ça, je vais vous dire, moi, je n'ai pas fait la terminale, donc j'étais mauvais élève et j'étais en rupture scolaire. Alors, j'ai toujours un manque, quelque part, qui fait que je veux me prouver quelque chose. Donc, dans le langage d'Aristote, on voit la matière et la forme. C'est quoi la forme? La forme, c'est la pensée qui va informer la matière, qui va donner une forme qui va se concrétiser à l'intérieur de la matière. Il y a un autre langage, c'est le corps et l'esprit. Ça ne se trouve pas chez Aristote. Ça peut se trouver peut-être chez Platon, mais pas chez Aristote. C'est une dichotomie entre la corporalité et un concept qui n'est pas dans notre tradition, qui s'appelle la spiritualité. Chez nous, la spiritualité s'unit avec la matérialité. C'est pour ça que les maîtres traditionnels aiment ce langage aristotélicien. Ce langage que, ici, Dieu a rassemblé une terre avec laquelle il va façonner, il va mettre la pensée qui va informer cette matérialité. Donc, pour que cette pensée s'unisse avec la matière, il faut une matière qui est apte à recevoir cette pensée. Pas n'importe quelle matérialité peut recevoir, est apte à recevoir cette forme qui va faire l'être humain. Ça, c'est ce que dit le Bar. Ça, c'est donc un premier, c'est l'homme, sa matérialité vient de la terre, mais pas de n'importe quelle terre. C'est ça qu'a été choisi, une terre apte à recevoir la forme qui va informer cette matérialité. C'est ce qu'il dit le Maharal. Ok ? Deuxième heure, voilà. Chachnia, deuxième heure, nasé golem. Il est devenu golem, c'est-à-dire un tas qui est encore indifférencié. Il explique. Pirouche, Amadrega Shnia, chez Shlok, chez Kibel Achomer, Itmazgut, Zéo Madrega Shnia. Le Fika, Ramar, chassé golem, Rotselema, Itmazgut, chez Kabel Aafar, Vaya Murkav. C'est à partir d'un corps premier qui est la terre, il y a une dimension d'un corps composite qui est la deuxième heure. La deuxième heure, ce corps simple qui est la terre, va devenir une dimension composite qui s'appelle le golem. Regardez la suite. Troisième heure, Nimteru Evarav. Ses membres se sont différenciés. Avec d'abord un tas, les membres se sont différenciés. Alors, ça, je ne peux pas ne pas penser aux cellules souches. Les cellules souches, boum, cellules souches, c'est-à-dire tu as une matière qui est indifférenciée et qui va par des processus très subtil, se distinguer, ça va être les cellules du cerveau, les cellules du cœur, les cellules des intestins digestifs, etc.
mais à partir, au départ, de cellules qui sont potentiellement multiformes. Mais ça va se distinguer. Et c'est ça ce que dit le texte, dit le Maharal, que de l'intérieur de quelque chose d'informe, les membres, c'est pas l'idée qu'on a, c'est que Dieu, il était à la maternelle, il a pris la pâte à modeler, et qu'il a formé les bras, vous voyez, tu vois, la pâte à modeler. Alors, ici, le Maharal dit, à partir du texte du traité Sanhédrin, que c'est pas comme ça. C'est de l'intérieur d'un amas indifférencié que se sont différenciés les différents membres. Voilà. Seul. Vous, seul. Comment? Seul. Je ne sais pas si c'est seul, sûrement que oui. Mais on voit que Dieu, là, il n'est pas tellement présent. Hein? Mais il est allé fumer sa clope. Alors... bien, donc la troisième heure, ses membres se sont formés. Voilà, il dit que ici, l'homme va être une globalité. Bonjour. Bonjour. Hein, bonjour. Oui, vous avez un mot, tout le temps. C'est la victoire. Non, mais si c'était en chantant, ça va. Alors, il dit ici, regardez, l'homme, c'est une globalité. D'abord, il y a la dimension du minéral, c'est la terre. Maintenant, cette terre va se déployer, c'est comme une dimension du végétal. Le végétal, il se déploie de l'intérieur de la graine se déploie. Donc c'est ça, les membres de l'intérieur se sont déployés, c'est la dimension, dit le Maharal, du végétal. Quatrième heure, Nizrekabo Neshama ou Achioni. Quatrième heure a été insufflé dans l'humain son âme. C'est la dimension maintenant d'un être vivant. Donc, premier élément. Élément minéral. Deuxième élément. Élément du végétal qui se déploie de l'intérieur de lui-même. Et maintenant, c'est insufflé la vie. Il devient un être vivant. Ça, c'est la quatrième. Ramishit, cinquième heure, Ahmad al-Regalav, il s'est tenu droit. C'est quoi il s'est tenu droit? Davarze, Madrega, Ramishit, c'est un cinquième niveau. Le premier niveau, c'est la dimension du minéral. Ensuite, la dimension du végétal, du vivant. Mais le fait qu'il se tienne droit, tu le trouves que dans l'homme. Tous les êtres vivants sont courbés, visage vers le bas. Les animaux, oui, évidemment, sauf les grands singes, mais à part les grands singes, tous les animaux ont la tête vers le bas. Ah, mais l'homme va une stature droite, c'est le seul des êtres inférieurs. Pourquoi? Il va dire plus loin. Yesh od davar nifla, il va dire, je saute quelques lignes. Yesh basé od vare mouflaim betsurato chez zekoufa. L'homme qui a une stature droite, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand le Maharal dit quelque chose d'extraordinaire, c'est pas simplement qu'il met un like. Ouais, ah c'est extra, je mets un like. Non. On dit quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui sort de l'ordre simple de la nature, qui sort de la naturalité. C'est comme nos maîtres disent que l'homme est créé, Betselem Elohim, avec un reflet divin. Ce reflet divin, et là où commence notre sujet, c'est ce qu'on appelle le Sechel, l'intellect. L'intellect, c'est-à-dire que la tête, elle est droite, c'est-à-dire l'homme, le principal de sa personne, c'est la tête. C'est la tête qui est droite, qui fait que le corps suit la stature de la tête, qui est la résidence, on peut dire le sanctuaire de la pensée et de l'intellect.
Donc là, maintenant, l'intellect est la dimension de l'éclat divin, et la spécificité, le début de la spécificité humaine, puisqu'il y a eu le minéral, le végétal, le vivant, et maintenant, la stature droite, ça, c'est la dimension de l'intellect qui caractérise l'humain, L'heure d'après, regardez, on saute un peu. Sixième heure, Kara Shemot. Il a nommé des noms. Alors ça, c'est vraiment, c'est sublime. Dabarze madrega yoter eliona veu aserel shekana. C'est que l'homme n'a pas seulement l'intellect. Parce qu'on peut dire l'intellect, il y a eu des théories multiples et diverses. Comment ça se fait que le grand sage, les grands sages, notre cher Charles a élaboré des théories. Comment ça se fait qu'ensuite il y a eu les grands sages et ensuite il y a eu l'humain qui parle, etc. Bon, il y a des notions d'adaptation. Effectivement, que l'homme qui a une capacité de juger, de décider, l'homme en vérité, c'est un être vivant qui est faible par lui-même. Il est faible. Il n'a pas comme un rhinocéros qui a des cornes, ou un lion, ouais. Il n'a pas tout ça. Il est assez démuni. Par contre, il a une faculté d'adaptation qui est l'intellect. Mais le Maharal déduit que la septième heure, l'homme a une dimension supplémentaire. C'est l'intellect acquis qui a fait qu'il a nommé des noms. Est-ce que ça vous parle quelque part? Une chanson de Bob Dylan. Évidemment. Merci. Ça me fait plaisir. C'est aussi un verset dans la Torah. Mais regardez, ici, c'est très intéressant parce que vous voyez, par exemple, les mammifères, les insectes, les plantigrades, etc. Est-ce que un ours sait qu'il est plantigrade? Youssef? Je ne crois pas. Non, jamais. Alors, ces notions de catégoriser, donner des catégories aux êtres vivants, si je ne m'abuse, c'est à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, Buffon, hein, ici à Paris, le Jardin des Plantes qui a été créé par Buffon, si je ne m'abuse, et le vers l'époque, il va s'appeler l'époque des Lumières, l'humain a essayé de mettre des catégories, des noms sur les différents ordres, l'ordre végétal, l'ordre animal, etc. Mais si je ne m'abuse, Aristote déjà a énormément travaillé là-dessus. Pour trouver des catégories, il faut apprendre. La capacité d'apprendre et de créer des catégories et une dimension en plus simplement de l'intelligence première de l'homme. L'intelligence première de l'homme, ça c'est, il se tient droit. Maintenant, il y a une dimension en plus, c'est, appelle le Maharal, à Serel Shekana, l'intellect qu'il a acquis. C'est la dimension que l'homme a d'apprendre, et selon le bagage qu'il a,
arriver à donner des noms et à catégoriser. C'est étonnant comme réponse, parce que si on m'avait demandé comme ça à brûle pourpoint, j'aurais dit que ça aurait été l'imagination et pas la capacité à déduire des choses. Si on me dit « il a donné des noms », c'est ce qu'il dit, c'est un ridouche énorme en vérité, parce que comme ça, au premier abord, si on me demande qu'est-ce qu'il fait en donnant des noms, il fait preuve d'imagination, pas d'acquérir des connaissances et de créer quelque chose à partir de choses qu'il a apprises. C'est exactement le contraire qui semble ressortir en vérité. Voilà, parce que l'idée qu'on a en entendant la chanson de Bob Dylan, du grand Bob, de notre grand Bob, que les choses soient claires. Ouais. C'est que l'impression qu'on a, c'est que c'est un genre de poète. Hein? Un genre de poète, intuitivement, il dit voilà, je vais l'appeler Pig, je vais l'appeler machin, je vais l'appeler Bidou. Alors ici, le Maharal dit, c'est une notion supérieure. Il y a l'intellect humain, maintenant il y a l'intellect acquis. C'est l'homme qui a une capacité d'apprendre et d'être créatif à partir de ce qu'il apprend. Voilà. Et la possibilité de nommer, ça veut dire, c'est différencier. Oui, si moi je dis, comment ça va Emma? Oui, donc Emma, elle sait que c'est Emma, c'est pas quelqu'un d'autre. Oui, excusez-moi. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un d'autre, c'est distingué. Donc Adam, il distingue, la notion des espèces est une notion extrêmement profonde, qu'il y a des espèces, et d'ailleurs qu'il y a une pérennité des espèces, que des espèces, un chat donne un chat et un chien donne un chien, qui est une pérennité des espèces, et que l'homme est capable de définir cette espèce, ça fait partie de ça. Prenons un exemple. Le lama fait partie de quelle catégorie d'animaux? Camélidés. Des chameaux. Hein? Retournons dans la cordillère des Andes. Ouais, on dirait une grande chèvre. Non, c'est un chameau, une autre forme de chameau. Ben c'est, tu vois, il faut analyser, il faut rentrer dans les livres, il faut connaître. Voilà. Ça, c'est ce que dit le Maharal à partir du passage du Talmud. On continue. Donc, regardez ici, et c'est là l'innovation. Donc là, c'est une seconde. Donc là, septième heure, il a épousé Ève. Mais d'abarzé madriga yoterno sefen machéye chez Adam zivug, veu ashlamato acheu Adam legamre. Montons dans la dimension de l'intellect humain. D'abord, il y a l'intellect humain. Il y a l'humain qui apprend. Et à partir de ce qu'il apprend, il arrive à être créatif et de catégoriser, de donner des noms à partir de ce qu'il apprend. Catégorie supérieure, c'est il se marie. Et ça, c'est une dimension supérieure de l'intellect humain. Alors moi, je comprends ici, c'est la dimension que maintenant, le Maharal ne développe pas. Mais maintenant, il va y avoir un dialogue. C'est-à-dire que cette intelligence n'est pas qu'une intelligence fermée sur soi, mais c'est une intelligence qui va être en dialogue. On dit, et c'est ça que l'homme est manquant lorsqu'il n'est pas marié, l'humain est déficient quand il n'est pas marié, parce qu'il n'a que son son de cloche, son intelligence est focalisée simplement sur une manière de voir. Mais maintenant
il va arriver à une complétude de l'humain. C'est quoi la complétude de l'humain? Quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme zahar ou nekeva. C'est quoi un homme? C'est un homme et une femme. Un homme, c'est pas, moi je suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Mademoiselle n'est pas un homme. Enfin, un homme, un humain. Moi, je ne suis pas un humain. Mademoiselle n'est pas un humain. Un homme, Adam, c'est Zahar ou Nekeva Beram. Il a créé homme et femme. Un homme, c'est un homme avec une femme. Et c'est ça la complétude de l'humain. C'est-à-dire que si l'humain, il a que sa manière de voir, mais se confronte pas à une autre manière, à une autre sensibilité complète, son intelligence est limitée. Et c'est à travers la confrontation et la discussion que va naître un intellect qui commence à être un intellect. Donc là, si vous voulez, c'est là ce que je me pose la question. Moi, je ne suis pas ingénieur, j'essaie simplement d'étudier le Talmud, hein, que chaque chose, moi, je voilà. Mais, je ne sais pas, c'est vrai qu'avec une machine, il peut y avoir un dialogue. Il peut y avoir des dialogues avec des confrères. Il y a des forums, quand on travaille avec des forums. Mais avec la machine, est-ce que la machine, finalement, qui est créée par l'homme, y a-t-il une confrontation, ce qu'on appelle Ezer Kenegdo, que la femme est une aide en opposition? Nos maîtres disent que un homme et une femme, selon notre tradition, aujourd'hui on dit l'homme et la femme, c'est la même chose, etc. Ok, soi-disant. Mais sur le terrain, il y a un de nos élèves, il a fait un stage chez Xavier Niel d'informatique. Ils étaient 150 dans le stage. Dans les 150, il y avait 7 femmes. Ce n'étaient pas des talibans en Afghanistan. Pourquoi sur les 150, il n'y avait que 7 femmes? Je ne sais pas, je lance. Je sais pas. Il aurait pu y avoir 75. Ouais. Mais il paraît que c'est récurrent. C'est récurrent. Mais donc ça veut dire qu'il y a des sensibilités qui sont différentes, des modes d'être qui sont différents. Et c'est dans cette confrontation, même opposition, Ezer Kenegdo, une aide par Kenegdo, par l'opposition, que l'homme accède, l'humain, homme et femme, accède à une pensée qui est au-dessus simplement de la pensée acquise. Ça, c'est ce qui est sous-entendu dans le Maharal. Nous allons continuer. Alors, regardez ici, la phrase à la fin a été, nous, à la yeshiva des étudiants, on étudie beaucoup du Maharal et on a, la chance extraordinaire que quand on fait un texte comme ça, on peut passer des heures et des heures. Je ne vais pas vous infliger ce travail qui est difficile, mais qui est nécessaire. Parce que chaque mot du Maharal est extrêmement pesé. Regardez la dernière phrase de cette page. Aval adava baruru, la chose est claire. Ki en adam israeli nirshav adab shalem belo isha. C'est clair que l'homme Israël, n'est pas considéré complet sans femme. J'entends, ton prénom c'est Raphaël? Oui, ce que tu dis Raphaël. J'entends, bon, on est,
on est au peigne, j'ai pas de problème. Hein, tu peux avoir quelqu'un qui est né juif qui peut ne pas supporter de vivre avec une femme, et quelqu'un qui est non juif et qui a un enjeu spirituel à partager sa vie avec une femme. Hein. Bonsoir, pourquoi pas. Mais ici, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il s'appelle Israël, disons juif, Israël, disons juif, et le fait de partager sa vie avec une femme. Une femme partage sa vie avec un homme. Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi c'est spécifique du fait juif, de partager sa vie, un homme avec une femme? Qu'est-ce que ça a à voir? J'ai entendu de mon maître Rava Bitbol. Que depuis le début de la Genèse jusqu'à Abraham, on ne voit aucun dialogue entre un homme et une femme. À partir du moment où commence Abraham, on voit tout le temps des dialogues entre Abraham et Sarah. Ils sont rarement d'accord d'ailleurs. Alors, quand vous regardez une émission à la télé, Abraham, celui qui a inventé le monothéisme. D'accord ? La source de tous les monothéismes. Or, dans la Torah, c'est plutôt la source du dialogue entre un homme et une femme. Mais ici, c'est pas Abraham, c'est Israël. C'est Israël. Donc, c'est peut-être une autre dimension. Ça veut dire que Abraham, Yitzhak, Yaakov, on est dans la dimension des Avot. Israël, on rentre dans la dimension des Shvatim. C'est-à-dire, c'est la vraie dimension du peuple juif. Elle s'exprime à partir de Israël. Oui, d'accord. Non, mais ce que voulait dire Rava Bitbol, c'est que la relation particulière qu'invente Abraham par rapport à Dieu, on pourrait dire, si Dieu n'est pas un fantasme, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une projection, mais c'est une réalité dans notre existence, eh bien, c'est de la même manière que si moi, ma pensée, elle n'est pas fantasmatique, c'est que je peux la partager et je peux discuter avec quelqu'un. Chez Israël, ça, il y a cette dimension justement, oui. Et qui arrive à la Shlemout. Ah, je crois. Peut-être, ça. Mais on va. Je veux dire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se manifeste à partir de Israël avec. Pourtant, il y a plusieurs femmes, mais ce n'est pas l'unicité. Il y a des femmes, et pourtant, il y a un projet commun qui se manifeste et qui est kayam, comme ça, il y a une dimension de quelque chose qui reste. Alors qu'après la relation entre Abraham et Sarah, il y a un conflit comme ça, sur ce que doit être leur génération. Il y a un conflit énorme entre ce que représente leur... J'entends, mais moi je dirais c'est Abraham et Sarah, c'est Abraham qui invente cette dimension. Je peux essayer. Oui, avec plaisir. Abraham il a découvert, même si on reprend la grosse voix des films, des documentaires de France 2, il a découvert le monothéisme, donc il a découvert qu'il y avait quelque chose qui était un. Okay. Parallèlement à cette découverte, il se sépare de cette chose qui est un. Donc forcément, il doit être deux. Il doit être double, dual, je ne sais pas comment on essaye de voir ça. Et donc, il trouve une femme et il se confronte. Il doit y avoir une confrontation entre l'homme et la femme. Donc, si tu dis, si Dieu est un, c'est que moi, je ne suis pas Dieu. Voilà. Donc, je dois partager. Ouais. C'est la reconnaissance du fait que nous-mêmes, tout seuls, on n'est pas une unité totale. Quoi. Voilà, c'est qu'il n'y a que Dieu qui est l'unité, mais pas moi. On refuse l'idolâtrie. Voilà, si vous voulez, ça, je pense que ça, c'est un point qui est très précieux dans notre relation avec... regardez, moi, je travaille avec de l'humain, avec vous. je n'ai pas la chance de travailler avec des machines. Je ne sais pas.
sais pas, je vais pas jouer un rôle que je connais pas, mais je vous amène des éléments qui peuvent peut-être faire réfléchir. Ensuite, nous allons continuer. Passons à la page d'après, tournons la page. Donc là, qu'on donne l'explication, comme Yosef, ou comme toi Lionel, on voit qu'il y a une accession à un intellect encore supérieur, un intellect qui ne se veut pas être une totalité, qui est discursif, qui est dans un dialogue, qui va jaillir du dialogue, comme on voit par exemple à l'intérieur du temple de Jérusalem. On voit que le verset dit que lorsque Moshe rentrait dans le Kodesh, il y avait la voix de Dieu sortait d'entre les chérubins. Il y avait dans le Saint des Saints, au-dessus de l'arche, une représentation d'un jeune homme en or, une représentation d'une jeune femme, et la voix de Dieu sortait d'entre les chérubins. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un dialogue, en particulier un dialogue homme-femme, c'est pas l'homme qui a raison, c'est pas la femme qui a raison, c'est la voix qui va sortir de leur dialogue, c'est de là que vient une parole. Une parole qui vient, pas que moi j'ai raison. Ouais, moi j'ai raison, ouais machin, ouais non, on n'ira pas chez ta mère pour les dernières fêtes. Mais non, tu dois venir chez ma mère pour les dernières fêtes, etc. Mais non, moi j'ai raison, non t'as raison, pas de ta, pas. Non, là, moi j'ai raison, t'as tes raisons, ouais. Là, il n'y a pas de souffle prophétique. Le souffle prophétique, il vient que de l'intérieur du dialogue, il y a une voix qui sort. Donc ça, on pourrait dire, c'est l'accession, l'homme et la femme israélite, c'est la dimension de la prophétie. Petite parenthèse, vous avez peut-être entendu parler que nous sommes dans la fête de Sukkot. Hein, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. J'ai lu ça sur ActuJ. Alors, donc comme je vous ai dit, nous, on a une addiction au Maharal de Prague. Dans un autre livre qui s'appelle le Gevurot Hashem, le Maharal explique qu'il y a trois fêtes de pèlerinage quand il y a le temple de Jérusalem. Il y a Pessah, il y a Shavuot et il y a Sukkot. Pessah, c'est la formation du peuple juif. Shavuot, c'est le don de la Torah. La Torah, c'est elle qui va donner au peuple juif la possibilité de se développer, de se construire. C'est la construction du peuple juif. Alors c'est quoi Sukkot? C'est quoi on est sous la Sukkah? Dit le Maharal, c'est après l'accession à la Torah, à l'intellect de la Torah, c'est le souffle prophétique. Sukkot, c'est le souffle prophétique. Donc là, de notre échange, moi je dirais que quand le Maharal dit l'homme israélite, c'est-à-dire que de l'échange entre l'homme et la femme, on accède à un intellect qui est supérieur. C'est pas seulement l'intellect premier, c'est un intellect prophétique. C'est une nouvelle parole. C'est pas moi qui a raison, c'est pas toi qui a raison, c'est autre chose. C'est une parole qui sort de notre dialogue, qui est le souffle prophétique. Mais la ferme n'est pas terminée. Regardez la suite. On tourne la page. La huitième heure. La huitième heure. Qu'est-ce qui se passe? Sha'ash minit. Aoul aloul amitash naim veyardou arba'a. Ils sont allés dans le lit à deux, ils sont descendus à quatre. C'est la dimension de fructifier, multiplier. Chez Davarze Baim, Be'en Safek, Madriga Nosefet, l'Adam, le fait de fructifier, multiplier est une dimension supérieure de l'humain. Qui Adam ou Prati Be'asmo Bilvad. Parce que l'humain, chaque humain, est un individu.
Bon, jusque-là, ce théorème, ouais, l'humain est un individu. Hein, ça ne mange pas de pain. Voilà. Ou marche yeshbut à tolada, mais ce que l'homme engendre et donne, fructifie, multiplié, il passe de l'individu à une dimension qui n'est pas limitée à l'individuel. C'est un grand thème dans le Maharal, que la dimension individuelle est la dimension matérielle. La matérialité est le fait d'être l'individu et le matériel. Alors on va essayer de définir. Hein. Mais le fait que de l'individu viennent des engendrements, c'est faire accéder l'individu à du non limité. Ce non limité, c'est passer de l'individu à une dimension de globalité qui sort de la dimension simplement individuelle. En quoi l'individu, c'est la matérialité? Ça a à voir parce que chacun, on a nos particularités. On a quelqu'un, comme dit le chanteur, être né quelque part. Ouais. Quelqu'un, je ne sais pas, il est né à Meknès. Il est né à Marrakech, il est né à Casablanca, il est né à Varsovie. Chacun a sa... L'un, c'est un breton. Chacun a son particularisme. Le particularisme est une limite. Tout ce qui est limité est matériel. Mais le fait que notre individualité donne la possibilité à avoir une progéniture, je donne la possibilité que cette individualité s'ouvre à des possibles. Ça, c'est quelque chose d'une actualité brûlante. Il y en a qui disent, non, moi, j'ai besoin de mon équilibre personnel, avoir des enfants, ça va me perturber par rapport à mon développement personnel. Les mômes, c'est chiant. Ouais, alors, Mais justement, c'est grâce à Dieu, les mômes c'est chiant. Excusez-moi l'expression, oh, vous m'avez amené un rabbin, il ne parle pas bien français. Hein. Vraiment, je ne sais pas où vous l'avez trouvé. Hein. Mais bon, mais justement, le fait que tu n'es pas tourné que par toi-même, que tu donnes la possibilité par sa vie personnelle, par la vie partagée avec quelqu'un, qu'on donne la possibilité de ne pas être limité, mais donner la possibilité qui est un investissement, qui est un investissement, pas seulement un investissement physique, mais surtout un investissement intellectuel. Et c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Le fait qu'on a des enfants, on réfléchit à d'autres que soi-même. On réfléchit de manière passionnelle à d'autres que soi-même. Je donne un exemple. Des fois, il y a un de mes enfants qui a des soucis avec son enfant. Une de mes filles, elle a un souci avec un de ses fils. Elle ne sait pas bien le gérer. Elle ne sait pas bien le gérer. Et ça lui fait du souci. Avec son mari, ils réfléchissent comment le scolariser. Il a du mal à se scolariser. Les relations avec les autres enfants, c'est difficile. Eh bien ça, c'est un intellect supérieur qui ressort. C'est ça ce qui ressort du marin. C'est un intellect supérieur. C'est pas un intellect inférieur. Réfléchir à autre chose que soi, mais de manière passionnelle. Parce qu'un enfant, ça te prend aux tripes. Et les tripes,
T'as un enfant, il est premier de la classe, tout va bien, machin, standing ovation, ah mon gosse, il vient d'être rentré premier au MIT, voilà, machin, oh là là, quelle star. À part le fait que c'est une grosse tête, il est tellement gentil, il est oseï, il s'occupe, il est animateur d'un camp, etc. Oh là là, il a toutes les qualités. Voilà. Alors maintenant, un autre plan. Ouais. Il n'arrive pas à rentrer au MIT. Il est chiant. La troisième fois que je dis ce mot. Il est à l'UEJF, il n'est pas osé. Et les parents se font du souci pour lui. Et ben, ça, c'est accéder à une intelligence supérieure. C'est une intelligence qui est mue par un investissement passionnel. C'est une réflexion qui est insérée dans le vivant et dans la passion du vivant. Il ressort du texte du Maharal que ça fait accéder à une pensée qui sort d'une pensée matérielle. Vous voyez, je me permets de vous dire les choses un peu personnellement. Lorsque j'étais adolescent, la grande mode intellectuelle, c'était lire du Karl Marx. Karl Marx, malgré le nom, c'est pas un comique américain. Il y en a qui ne savent pas qui c'est Marx. Ils croient que c'est les Marx Brothers. Il y a aussi... Mais c'est pas des burlesques américains. Mais je vais vous dire, la lecture de Karl Marx apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup. Enfin, ça m'a beaucoup apporté. Je dirais même énormément. Parce que il y a une grande préoccupation dans la pensée de Marx, c'est que la pensée de l'homme est définie et bloquée selon ses modes de production, hein, par sa vie. Est-ce que c'est un ouvrier? Est-ce que c'est un patron? Bon, c'est des catégories qui n'existent peut-être plus aujourd'hui, mais la préoccupation, une pensée, si vous voulez, le Maharal nous dit que la pensée humaine, si elle reste individuelle, elle reste limitée et matérielle. La pensée qui est dimension supérieure de l'humain, c'est pour ça que l'humain a une stature. Mais ces dimensions de pensée peuvent être limitées. Qu'est-ce qui va faire que cette pensée va toucher une dimension supérieure, dimension de prophétie? C'est le dialogue entre un homme et une femme. Mais la cellule homme-femme est encore finalement, si vous voulez, un cocon. Un cocon, on se comprend quelque part. Quand est-ce que cette pensée va toucher à un infini? Ici, le Maharal, à partir de ce texte du traité Sanhédrin, nous dit, lorsque les parents s'investissent et réfléchissent à leurs enfants, ça, c'est une pensée qui est dynamique, qui est une pensée qui est mue aussi par une dimension de générosité qui n'est pas que tournée sur soi-même. Cette dimension de générosité de Gmilut Chassadim va donner une dimension d'infini à la pensée humaine. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais voir, c'est le premier texte du Talmud que je voulais voir avec vous, parce que il me semble que c'est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, moi, j'ai besoin de vous entendre que je n'ai aujourd'hui, à partir des sens cognitifs à partir, je ne sais pas, des années 60, à partir des années 60,
où les chercheurs ont découvert toutes les capacités du cerveau, il y a une excroissance de la focalisation sur le cerveau. On est focalisé sur le cerveau, c'est-à-dire que on découvre, après la découverte de l'Amérique il y a 500 ans, maintenant il y a la découverte du cerveau humain. C'est une découverte incroyable de découvrir toutes les capacités cognitives et les machines qui sont créées sur des modes qui essaient d'abord de reproduire les capacités cognitives humaines et maintenant de créer des capacités que l'homme même n'a pas, mais c'est toujours des dimensions qui sont liées à la dimension de la pensée du cerveau. Ici, on voit une dimension, c'est, je dirais, l'investissement émotionnel et affectif crée une dimension supérieure de la pensée. Et il me semble que ça, c'est quelque chose qui est une spécificité de l'humain. Si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous avez des éléments à dire par rapport à ça, j'ai besoin de vous entendre. Vous pouvez répéter la phrase, l'investissement de l'affectivité. Ce que je vois ici, lorsqu'on dit que après le dialogue entre l'homme et la femme, je dirais que c'est la dimension de la prophétie, il y a une autre dimension, c'est l'humain qui sort de la dimension limitée de son individualité avec sa progéniture. La progéniture, il y a une accession à une autre dimension de la pensée. Comment ? Au niveau concret, c'est l'humain qui réfléchit à ses enfants, qui veut le bien pour ses enfants, et cette réflexion, parce que nous on pense que la réflexion, la réflexion, c'est le penseur de Rodin, voilà, je pense. Ouais. Alors mais ici il y a une pensée qui est une dynamique de la pensée. Dans la réalité humaine, dans le tissu humain, dans le concret de l'humain, mais qui est mu par l'émotion, qui est mu par la passion, par l'investissement passionnel, émotionnel. Et ça, c'est une accession à une pensée non limitée. Nos maîtres disent, il y a un passage dans le Talmud qui dit que lorsque l'homme meurt, il a un examen. Et dans cet examen, une des questions, est-ce que tu t'es investi dans le fait d'avoir des enfants? Alors, en quoi avoir des enfants a à voir avec la vie du monde après la mort? Qu'est-ce que ça a à voir? La vie après la mort, c'est une vie complètement pas matérielle. En quoi le fait de s'investir dans le fait d'avoir des enfants fait accéder à une vie après la mort? Alors, le Maharal de Prague le développe dans plusieurs de ses livres. Prenons un exemple. Est-ce qu'après la mort, on peut boire un Coca-Cola frais avec une paille? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, hein? Bien. Alors, est-ce que après la mort, on peut regarder WhatsApp avec mon Samsung? Non plus. Alors, qu'est-ce que ça a à voir, le fait d'avoir des enfants, avec la vie après la mort? Alors, le Maharal explique. La même dimension ici. Que l'humain, s'il reste dans son individualité, limité dans sa individualité, c'est limité.
La vie après la mort, c'est l'illimité. On est dans un monde limité et est accès dans un monde illimité. Les enfants, c'est tu fais accéder ta pensée, qui est le monde après la mort, c'est un monde de pensée, tu fais accéder ta pensée à quelque chose d'une pensée vivante. Elle est vivante par le fait que tu ne penses pas que à toi. Tu réfléchis au bien de quelqu'un d'autre. Tu réfléchis au bien de quelqu'un. Comment aider mon enfant? Comment l'aider? Et ça, c'est mu par une dimension passionnelle, émotionnelle et concrète aussi, dans le concret. Donc c'est une pensée qui n'est pas monolithique. C'est quand on sait, par exemple, quelqu'un qui a des théories sur l'éducation, s'il a des mômes, je ne sais pas s'il va loin avec des théories il faut créer, il faut inventer. Élie, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre dimension à travers cette dimension intellectuelle que vous décrivez sur le fait que lorsqu'on n'a pas d'enfant, il y a une finitude nécessairement par la fin de sa vie, alors que lorsqu'on a des enfants, nécessairement on a aussi une poursuite de sa propre vie à travers les enfants, donc on n'a pas le même sentiment de finitude. Lorsqu'on a des enfants, ils nous poursuivent et donc à travers leur poursuite, c'est vrai. Quelque part on continue à être vivant à travers eux. C'est vrai, c'est juste, mais dans la démarche que le Maharal nous propose, c'est plutôt un développement dans l'intellect. D'accord. Dans l'intellect. Oui, Sidney. C'est ton prénom ? Gary, pardon, excuse-moi. Gary, excuse-moi. Est-ce que donc dans la même mesure, la tzedaka, ça fait une... On pense aussi à l'autre, on pense pas que à ses enfants, mais à des personnes du coup plus démunies que nous. Donc on pense à comment améliorer peut-être leur vie, comment les aider. Est-ce que ça permet aussi, sans peut-être forcément avoir d'enfants, de continuer cette infinité et cette... C'est juste. Mais si tu veux, la générosité première, c'est justement, c'est quelque chose où tu es impliqué émotionnellement. Parce que des fois, c'est plus facile de s'occuper des gens que tu connais pas que s'occuper de gens que tu connais. Plus facile. Il y a des gens, ils sont super sympas avec les autres et moins avec... Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Mais le premier amour n'est pas envers, excusez-moi, envers ses parents, je passe, mais envers sa femme, est-ce qu'on n'apprend pas à diminuer un petit peu son côté un peu nombriliste, déjà par le couple qu'on va former, quoi. Avant de parler des enfants. Absolument. Oui, c'est la dimension. Absolument. Ça, c'est ce que Yosef disait tout à l'heure. Évidemment, c'est que si Dieu est un, c'est que moi, je ne suis pas un. C'est que moi, je dois donner la place à que d'autres existent. Voilà, absolument. Et est-ce que le dernier élément, c'est pas aussi, enfin, simplement entre guillemets, mais aussi la définition de la pensée juive comme une pensée de transmission. Ça me fait penser à ça. Alors, là encore, pourquoi on essaye tous de trouver d'autres choses que les enfants, mais ça me fait penser que les talmudistes, a priori, sont, contrairement aux philosophes non talmudistes, sont presque tous des enseignants et il n'y a presque pas de pensée talmudique qui va se penser. Enfin, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la confrontation et ensuite la transmission. Et c'est vrai que le talmudiste qui est là à écrire son bouquin tout seul dans son coin, ça n'existe pas tellement et il est presque obligé pour développer sa pensée de la transmettre. Absolument. Et la transmission, c'est l'adaptation aussi. Parce que les générations changent, les gens bougent, et si tu transmets d'une génération à l'autre, ben il faut comprendre l'autre génération, il faut s'adapter, il faut... Ouais, absolument. C'est intéressant, c'est vraiment, pour le coup, ça c'est vraiment l'inverse, quand on parle de la machine, c'est vraiment l'inverse du raisonnement entre guillemets d'une machine qui peut se penser que comme une totalité. C'est un algorithme par définition, déjà il n'a pas conscience de lui-même, mais dans les paradigmes qu'on lui impose, entre guillemets, il se considère comme total. Et même l'intelligence artificielle, quand elle va manger de la donnée pour se développer,
en fait, c'est de la consommation de nouvelles données et elle va grossir comme un tout, mais qui grossit tout seul. C'est jamais un algorithme se confronte jamais à son altérité à un autre algorithme. C'est toujours lui qui vient manger de la donnée et qui voilà. grossit. Alors ça m'interroge. Disons, moi je ne suis pas du secteur, hein. Ça m'interroge parce que, effectivement, d'après mes lectures, l'intelligence artificielle crée des choses qui sont nouvelles néanmoins, hein, que l'output est des fois, on ne sait pas exactement la traçabilité, comment on en est arrivé à ce résultat, donc il y a une certaine créativité, d'ailleurs, qui est bouleversante, la créativité des machines, mais néanmoins, quelque part, la machine est créée par l'homme et l'altérité et la passion et l'émotion. Si, il y a des émotions, évidemment, comme quand tu vois un film, tu as une émotion. Tu peux pleurer. Il y en a des gens qui pleurent jamais, mais en voyant certains films, ils pleurent. Qu'en vérité, c'est une fiction. On pleure sur des fictions. Quand il y a X années, je me souviens, j'avais vu un film, à la fin du film, j'avais chialé, mes gosses m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a, papa, pourquoi tu pleures? Donc on pleure pour des fictions, pour des personnages qui n'ont jamais existé. Mais finalement, c'est l'homme qui a créé. Il n'y a pas une véritable altérité. Oui. Je ne sais pas si c'est le moment de poser cette question-là, mais en fait, si je comprends bien ce qu'on a fait depuis le début, c'est qu'on a monté 8 étages pour essayer de définir en fait l'humain, le propre de l'humain, pour arriver à une espèce de stade suprême de l'intelligence. Sauf que dans cette mara, il y a 12 heures. En fait. Oui, on y arrive. On y arrive. Je pensais que c'est d'autres choses. Oui, mais on y arrive. Maintenant, je vais le dire rapidement parce que j'aimerais voir un deuxième texte. Alors, vous avez mille fois raison. Ensuite, il y a l'ordre de Dieu et l'homme faute. Et le Maharal dit, développe dans la suite, que chez l'humain, il y a une dimension qui le dépasse. C'est la dimension de la faute. Que l'homme, il y a une dimension imprévisible chez l'humain, et ça fait partie aussi que l'homme il doit faire face à... Il ne peut pas être sûr de son coup. Voilà. Ça fait partie de manière structurelle de l'humain. Au-dessus de son intelligence. Au-dessus de son intelligence. Oui, parce que c'est dans un temps de... Après son développement, si je considère que c'est 12 heures. C'est un développement, d'abord il y a un végétal, animal se tient debout, etc. Après il faute, c'est comme si c'était une étape d'accomplissement. Une étape d'accomplissement supérieur, ce que dit Raphaël. Ouais. Et après la faute, il y a la sanction qui est encore plus... Comment plus... Et après la faute, il y a encore la sanction qui est... Il y a la sanction. La 12e heure, c'est la sanction en fait. C'est la sanction. Alors regardez, on va faire maintenant un deuxième texte qui va parler... vous allez voir, c'est une certaine suite dans une certaine mesure. Alors, c'est assez technique. Et le Talmud, c'est très technique et c'est ce qui est, pour ceux qui aiment, c'est... Moi, j'ai juste une question. Oui. Dans le texte, je ne sais pas s'il y a des nuances sémantiques en hébreu à ce niveau-là, mais est-ce que la notion d'individualité, c'est connoté négativement dans ce texte-là ? La dimension, l'individu, c'est la limite. C'est la limite. C'est nécessaire. Mais l'individu en tant que tel est limité. Voilà. Et dire limité, le Maharal ne dit pas ici, mais le dit ailleurs, limité égale matériel. D'accord. Égale matériel. Parce que cette notion d'individualité, elle arrive au moment où il y a les enfants, et donc où il n'y a plus d'un homme. Puisqu'Adam, voilà. Là, il donne la possibilité... De s'ouvrir à autre chose que son individualité. Mais c'est la dimension du chesed, comme a dit Gary tout à l'heure, c'est comme la tzedaka, que tu t'occupes du bien
d'autre que toi. Mais ça poursuit aussi une logique de catégorisation, parce que ça arrive au moment où Adam et Ève, ils ont deux fils, c'est ça ? Oui, oui. Et donc, ça veut dire qu'Adam n'est plus le seul homme. Il n'est plus le seul homme. Il y a aussi cette notion que... C'est comme s'il y avait une catégorisation qui était faite pour les enfants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils... Ça, j'ai pas compris. Il y a trois hommes et Ève, oui, en plus. Donc, il y a un besoin de catégorisation... Puisqu'il n'y a plus qu'un seul homme et une seule femme. C'est-à-dire qu'on agrandit aussi la catégorie homme. Je trouve ça marrant que ça arrive à ce moment-là. Si on suit la logique de catégorisation du texte, finalement, si j'ai bien compris, il y a un passage lié à la catégorisation. Après, il y a le mariage. Oui. Ensuite, il y a l'homme et enfants. La femme. Oui, l'homme et la femme. C'est une forme de catégorisation. Et ensuite, les enfants arrivent à ce moment-là. Et c'est comme s'ils devaient se positionner dans un schéma où ils ne sont pas le seul homme. Ils sont en train d'eux. Parce qu'il y a leur père. J'ai compris. Jusque-là, ils étaient uniques. Oui. Et maintenant, ils doivent faire avec une société, quelque part. Oui, exactement. Voilà, c'est un homme social. Un homme social, c'est nouveau. Quelque chose de complètement nouveau. Ok, alors regardez, là, oui. La dimension infinie, elle est que... Adam et Israël, parce que c'est universel, l'homme il se reproduit, il se marie, c'est universel ça. L'homme se marie, puis il y a des enfants. Pourquoi c'est une dimension israélite infinie quand c'est israélite et ce serait pas... Alors je reprends ce que dit Samuel. C'est que la dimension de la transmission, je reprends simplement ce que tu dis, est très puissante dans notre tradition. C'est très puissant. Il y a, prenons par exemple, je vous parle d'un temps que les moins de trucs ne peuvent pas connaître, mais bon, vous avez compris que moi je suis un peu un dinosaure d'une époque révolue, mais à mon époque révolue, la grosse star en France qui a bercé mon adolescence, c'était Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre et la brave Simone, mais ils n'avaient pas de gosse. Et tout allait bien. C'était les phares de la culture française, un couple qui n'a pas d'enfant. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, sans faire d'esbrouf, notre brave président, il n'a pas de môme. Ça veut dire, c'est un truc qui interpelle. Ça interpelle. Nous, je ne sais pas, les Juifs qui viennent d'Afrique du Nord ou d'Europe de l'Est, quand ils sont venus ici, mon épouse m'a dit que ses parents, qui étaient des immigrés, bon, qui ont roulé leur bosse un peu partout, avant de venir en France, ils sont arrivés ici, en France, après moult pérégrinations et après aussi des camps de concentration multiples et divers. Eh bien, quand ils sont arrivés à Strasbourg à un moment, première chose, ils ont inscrit leur gosse au Talmud Torah. Et qu'ils n'étaient pas très religieux, mais ils ont mis leur gosse au Talmud Torah. Quand mon épouse elle me dit ça, c'est improbable. C'est improbable, mais dans notre tradition, même des gens qui ne sont pas forcément pieux, ils veulent transmettre quelque chose à l'autre. C'est quelque chose qui est dans notre transmission consciente ou inconsciente. On est tellement, je reprends ce que tu dis Samuel, on est tellement presque habitué à ça, on le vit tellement qu'on n'en est même plus conscient quelque part. Mais t'as des cultures, c'est pas comme ça. Il y a j'avais un groupie congolais. Il venait pendant des années à des cours à moi, il s'appelait Moussa Karamoko.
Alors Moussa, c'était son confident, il me racontait un peu sa vie. C'est très très intéressant, il avait une copine et il matchait hyper bien avec sa copine. Il voulait se marier, elle lui a dit « Ok, je veux bien, mais on n'aura pas d'enfant. » Il dit « Bon, pourquoi ?» Il dit « Non, ça rend moche. » Non mais la jeune femme, sérieux quoi, sérieux. Sérieusement, et j'ai fait un peu mon enquête, ça existe, c'est pas exceptionnel, c'est puissant, c'est très très puissant. C'est plus la chanson de Bob Dylan, c'est la chanson de Renaud cette fois-ci. Mais elle veut pas d'enfant parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses et puis ça fait rire. Elle l'a lu dans l'Express, c'est vous dire si elle... On peut dire que les femmes sont souvent très belles après une maternité. Pierre, je suis complètement d'accord avec vous. Voilà. En tout cas, voilà. Regardez, on va aborder maintenant, si vous avez la force. Are you ready? C'est bon? Yeah, on y va. Alors regardez, c'est un texte. C'est un peu un autre domaine. Maintenant, c'est du Talmud juridique. Et il faut quelques bases. Il y aura des choses, je pense, à la majorité d'entre vous, qui ne vont pas vous plaire. Mais, si vous voulez, dans notre tradition, il y a des lois. Elles ne sont pas là ni pour nous plaire, ni pas nous plaire. C'est comme ça. Voilà, si vous voulez, il faut. C'est des choses qui sont comme ça. Voilà. C'est pas nous, c'est l'auteur qui a décidé. Voilà. Vous allez voir tout de suite. Alors, d'abord, on est dans le traité Yevamot. C'est quoi Yiboum? Comment? C'est ça. Donc, c'est en français, ça s'appelle le Lévira. Donc, il y a, disons, deux frères, ça peut être un tableau noir, deux frères, tu as, disons, Réhouven et Shimon. Réhouven a épousé Rachel. Oui, il a épousé Rachel. Et Réhouven meurt sans enfant. Alors, Shimon, son frère, a une mitzvah de la Torah, d'épouser la veuve de son frère. Voilà, c'est une mitzvah de la Torah. Si Shimon ne veut pas épouser la veuve, il y a une procédure qui s'appelle Khalitsa devant le tribunal rabbinique. Devant le tribunal rabbinique, la veuve enlève la chaussure du beau-frère. Voilà. J'étais à l'époque où il y avait Rabbi Yirmiyahu Cohen qui était la Beit Din, il m'avait convié à une Khalitsa à rue Saint-Georges. Voilà. C'était assez impressionnant. Bien. Alors, de nos jours, dans les communautés séfarades, par exemple, je sais qu'au Maroc, tant qu'il y avait des juifs au Maroc, le yiboum se faisait. Ça se faisait. Dans les communautés j'ai connu, j'habitais Créteil 7 ans et demi, et des voisins, parce qu'il y avait un fief marocain très important à Créteil, et j'avais un voisin qui, je crois que son père était l'enfant d'un yiboum. Voilà, donc il y a deux générations, au Maroc ça se faisait. Voilà. Maintenant, les communautés ashkenazes ne font plus le yiboum depuis quelques siècles, font systématiquement Khalitsa. Et aujourd'hui, en France, on fait Khalitsa, on ne fait plus de yiboum. Voilà. Bon, ok. Alors voilà, en tout cas, regardez, la Mishnah nous dit. Alors, vous avez la page Kafbet dans le traité Yevamot. Non, Yevamot, c'est un traité entier là-dessus, sur ce sujet, le yiboum. Voilà. Parce qu'en vérité, c'est un traité
fondamentale, très très fournie, parce que dans ce traité est abordé les interdits d'inceste, puisque la femme de son frère est un inceste. Mais s'il n'y a pas d'enfant, cet inceste devient une mitzvah. Ça, c'est juif. Hein, ouais, c'est, ouais. Ce qui était strictement interdit devient un commandement positif. Et ça, c'est... Voilà. Donc, vous comprenez que c'est très, très étudié. Et tous les sujets relatifs aux interdits d'inceste, c'est traité Yevamot. Bien. Pourquoi alors, si c'est une mitzvah, c'est plus... Oui. Simplement qu'il y a un avis dans la Mishnah qui nous dit il y a Monsieur Reuven, il épouse Rachel. Et il y a le frère, il est amoureux de sa belle-sœur. Bon, c'est interdit, c'est la femme de son frère. Maintenant, son frère meurt, il l'épouse pas pour la mitzvah, mais l'épouse parce qu'il est amoureux d'elle. C'est pas pour la mitzvah. Il y a un côté qui est proche de l'inceste. En vérité, c'est permis si on le fait en tant que mitzvah. Mais si tu le fais pas en tant que mitzvah, quelque part, c'est un aspect d'inceste. Ok. Alors, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne avant la fin de la page. Huitième ligne. Mishayeshlo ben, mikol makom, poter, eshet aviv minayiboum. Celui qui a un fils, quel qu'il soit, exempt la femme de son frère du yiboum. C'est-à-dire, quelqu'un, il a un fils. Il a un fils. Disons, il a eu d'un premier mariage un fils, il a divorcé, il épouse une autre femme, et de cette deuxième femme, il n'a pas d'enfant. Mais comme il a vu un fils de son premier mariage, il n'y a pas ce yiboum, parce que le défunt a une descendance. Bien. Alors, celui qui a un fils, quel qu'il soit, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, quel qu'il soit, le fils exempt la femme de son père du yiboum. Voilà. Alors, celui qui a un fils, quel que soit son fils, chayav al makato veal kilolato, il est. Alors, il faut savoir que c'est interdit de frapper quelqu'un d'autre. Interdit. C'est interdit de maudire, c'est interdit de frapper quelqu'un, c'est interdit de maudire quelqu'un. Si quelqu'un frappe un autre, il est condamnable en droit civil. Par contre, quelqu'un frappe son père ou sa mère, condamnable en pénal. Voilà. Circonstance aggravante. Comment ? C'est une circonstance aggravante. Largement, puisque... Lorsque c'est condamnable à mort, en vérité. C'est-à-dire, lorsque il y a des condamnations à mort dans le droit juif, qui était à l'époque du temple de Jérusalem, lorsqu'il y a le temple de Jérusalem, il peut y avoir des condamnations à mort, selon certaines circonstances très très précises qui sont définies dans le traité Sanhédrin. Selon ces circonstances précises, quelqu'un frappe son père ou sa mère et les blesse. C'est-à-dire, pas simplement frappe. S'il frappe, mais qu'il n'y a pas de blessure, c'est pas condamnable. Il frappe, il y a une blessure, quelle qu'elle soit, condamnable à mort. Quelqu'un maudit quelqu'un d'autre, c'est interdit. Il maudit son père ou sa mère, il est condamnable à mort. Alors, la Mishnah nous dit, celui qui a un fils, ce fils, quel qu'il soit, ce fils, est condamnable s'il frappe son père et sa mère, ou maudit son père ou sa mère,
Oui. Il est condamnable quel qu'il soit. Quel que soit ce fils. On passe à la page d'après. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel qu'il soit. Alors. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, quel qu'il soit? La Gemara a dit, ça parle même un enfant mamzer. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est là où j'ai dit, ça ne va pas vous plaire. C'est quoi un mamzer? Alors, un mamzer, c'est quoi un mamzer? C'est un enfant adultérin. Comment? C'est un enfant adultérin. Enfant adultérin, ou bien un enfant d'un inceste. C'est-à-dire que quelqu'un, il aime beaucoup sa sœur, et plus ses affinités, il a un enfant de sa sœur. D'accord? Bien. Alors, c'est un interdit d'inceste. D'ailleurs, back to Yom Kippour, ouais, à Yom Kippour, moi je suis toujours sidéré, à Mincha de Yom Kippour, c'est un grand classique, on sait tout ça, Mincha de Yom Kippour, la lecture de la Torah, ça veut dire au summum de Yom Kippour, les maîtres ont institué de lire les interdits d'inceste. Ouais, je sais ça, je me prépare à ça, mais qu'est-ce que ça fait là? Ça c'est invraisemblable. T'as Yom Kippour, machin, t'as jeûné, t'as prié, machin, et toc. T'as pas le droit de convoler avec ta sœur, convoler avec ta fille, convoler avec la femme de ton père, etc. Qu'est-ce que ça va avec Yom Kippour? Bon, relisons Lévi-Strauss. Alors, maintenant, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a des interdits d'inceste. Et il y a un interdit aussi d'adultère. Un enfant conçu de cette relation interdite, qui s'appelle interdit d'arayot, d'inceste ou d'adultère, cet enfant a un statut lourd. C'est un statut lourd. D'ailleurs, c'est une fonction importante du tribunal rabbinique, que ce soit n'importe quel tribunal rabbinique, et du tribunal rabbinique de Paris, ou n'importe quel tribunal rabbinique, c'est cas difficile. C'est cas difficile. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mamzer est juif à 100%, mais il a des restrictions au niveau du mariage. Il a des restrictions au niveau du mariage. Il peut avoir une place importante dans la communauté. Il peut être rave, il peut être professeur de médecine, il peut aussi faire Torah, il peut être Chaliar Tzibour, Chazan dans la communauté, il peut tout. Sauf au niveau des mariages, restriction, il ne peut pas épouser une fille née juive. Il peut épouser une femme convertie, ou bien une femme comme lui, qui a le même statut juridique. Le même statut juridique. Mais, ensuite, les enfants auront toujours le statut. La deuxième génération, troisième génération, il reste mamzer. Maintenant, peut-être un moment, c'est disparu. On ne sait pas, peut-être qu'il y a 15 générations, nos ancêtres, il y avait un mamzer qui se baladait. Nos maîtres disent que majoritairement, on va d'après les règles de majorité. Mais il est possible, le Talmud dit qu'à la fin des temps, lorsque le prophète Élie viendra, il ne dira pas qui est mamzer. Il ne dira pas. Il ne dévoilera pas les secrets des lignées, parce qu'il ne viendra pas pour casser les choses. C'est un interdit. Si ça ne se sait pas, ça ne se sait pas. Voilà. La dixième génération, c'est sourcé quelque part. Quand on dit que c'est sur 10 générations, c'est une façon de parler. C'est même plus que 10 générations. Ça peut être 12, 15. Voilà. Mais
le Talmud, dans le quatrième chapitre du traité Kiddushin, dit qu'à la fin des temps, c'est un interdit quelque part soluble. Mais, en tout cas, quand on sait que cette personne est mamzer, c'est un statut invalidant, très invalidant. Mais j'ai dit, c'est invalidant en vérité que par rapport au mariage, ce qui est important, hein, comme on vient de le dire dans la première partie de notre étude. Le mariage, c'est très très important, c'est même fondamental. Donc c'est invalidant par rapport au mariage. Bien, alors regardons. Donc la Mishnah nous dit, je reprends, « Celui qui a un fils, quel qu'il soit, ce fils est condamnable s'il frappe son père ou s'il le maudit. » Quel qu'il soit. Ça veut dire, le fils est condamnable même si le fils est mamzer, s'il frappe son père ou maudit son père, le fils est condamnable à mort, en pénal. Oui, bien. Alors regardez ce que le Talmud dit. Alors, une seconde. On est les Chayav al-Makato. Chayav al-Makato. Alors, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17e ligne. 16 et 17e ligne. C'est bon, vous avez le texte? Voilà. Donc on dit, celui qui a un fils, quel qu'il soit, ça veut dire même si son fils est mamzer, le fils est condamnable en pénal s'il frappe son père ou s'il le maudit. Là-dessus, la Gemara demande. Vamay, karekan venasi b'amecha lotaor, b'ose masé amecha. Mais le verset dit, un prince dans ton peuple, tu ne maudiras pas. D'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de maudire? On n'a pas le droit de maudire parce que le verset dit, un prince dans ton peuple, tu ne maudiras pas. Le prince, c'est un exemple. Vous regardez le commentaire de Rashi sur le verset, parce qu'en général, on a toujours tendance d'injurier nos gouvernants. Ouais, c'est des incapables. Ouais, c'est des incapables. Qu'ils aillent se faire voir, etc. Donc on a toujours tendance de maudire nos gouvernants. Regarde, ils sont des incapables avec le déficit de la sécu, machin, bidule. Regarde ce Macron. Ouais, alors, qu'il aille se faire voir ce gouvernement à la noix. Voilà, alors, le verset dit, un prince dans ton peuple, tu le maudiras. Mais c'est pas seulement un prince, c'est tout juif. Mais c'est écrit dans ton peuple. Ça veut dire s'il se conduit comme se conduit quelqu'un de ton peuple. Si c'est un rachat, si c'est un impie, tu n'as pas l'interdit de le maudire. Encore faut-il définir qu'est-ce que c'est un impie, qu'est-ce que c'est un rachat. Rachat, donc c'est le terme en hébreu pour dire un impie, un salaud. Donc on dit... Un prince dans ton peuple, ça veut dire s'il se conduit comme les gens de ton peuple. Alors tu me dis qu'un mamzer est condamnable s'il frappe son père ou s'il maudit son père, condamnable en pénal. Mais son père, c'est un salaud. Fumier. Regarde dans quelle situation tu m'as foutu, espèce de fumier. Salaud. Là ! Mais ce père, je lui crache à la figure. Alors là-dessus, la Gemara dit, mais c'est justifié de cracher la figure de son père, c'est un salaud, regarde, voilà, c'est le fumier. Regarde, il est allé avec la femme du voisin, moi je suis le produit de ça, et maintenant j'ai des restrictions terribles pour me marier à cause des conneries de mon père et de ma mère. C'est des fumiers, ces salauds. Alors là-dessus, Agmar dit, ouais, t'as raison, c'est des salauds. C'est pas interdit de le frapper. Pourquoi ce serait interdit? C'est écrit, c'est pas interdit de maudire. C'est écrit,
un prince dans ton peuple, s'il se conduit comme quelqu'un de ton peuple. Mais quelqu'un qui transgresse les lois d'inceste, c'est pas quelqu'un de ton peuple. C'est pas comme ça qu'on fait ça chez nous. On fait pas ça chez nous. On fait pas, c'est pas. Donc pourquoi la Mishnah nous dit? Alors comme ça commence, j'enlève ma veste parce que là, jusque là, là maintenant ça va être du calme. Mais pourquoi tu dis qu'il est condamné en pénal? Mais il a raison de le maudire, il a raison, mais c'est un salaud. Non? Quand même, regarde. Dans quel pétrin, quel handicap il m'a mis, ce fumier? Non mais c'est incroyable. Moi je le crache dessus. Il passe devant. Là! Salaud. Fumier. Regarde, qu'est-ce que t'as fait de moi? Regarde, qu'est-ce que t'as fait de moi? C'est sympa le Talmud. Non, j'aime bien. Mais c'est tout de suite croustillant. Alors, on y va. Alors là-dessus, l'Agma dit, mais pourquoi tu dis il est condamnable? C'est écrit, un prince dans ton peuple, tu ne maudiras pas. Bon, c'est un prince. Il se conduit comme quelqu'un de ton peuple. Mais si c'est un rachat, si c'est quelqu'un qui faute de manière grave, il n'y a pas l'interdit de le maudire. Réponse du Talmud. On parle bossé teshuva. On parle que son père a fait teshuva. Qu'est-ce que c'est que lui a fait teshuva? Qu'est-ce qu'il a fait teshuva? Là-dessus, la Gemara va dire, teshuva, c'est réparé. C'est réparé. Mais comment tu vas réparer? Là-dessus, la Gemara va dire, je vous le fais oralement, mais justement, c'est quelque chose réparé. Ça veut dire, moi, je t'ai volé, ouais, 50 000 euros. C'est pas sympa. C'est pas sympa. D'accord? J'en conviens. C'est pas sympa. Mais, je peux rembourser. Je rembourse. Et je te demande pardon. Et même, je peux même rembourser les frais secondaires que ça a entraîné. Le fait que tu avais besoin de ces 50 000 euros, machin bidule, en plus tu as dû emprunter avec intérêt, machin bidule. Je te dédommage. Ok. Donc là, je peux réparer. Mais là, la tchouva, c'est quoi? La tchouva, c'est réparer ce qu'on a fait. Mais là, c'est le genre de choses que tu ne peux pas réparer. C'est ce que le Talmud va dire. On ne peut pas réparer. La preuve, c'est que le produit de leur amour, il se balade, il est toujours là, à moins de le tuer. Et comment réparer? D'accord? Regardez, c'est ce que le Talmud va dire. Aï bar teshuva ou qu'est-ce que tu peux faire teshuva? Vatnan Shimon ben Menasya Omer Ezeu Meuval lo yochal litkon. C'est quoi ce qui a été tordu? On ne peut pas réparer, c'est celui qui va avec un inceste et qui a mis au monde un mamzer. Réponse du Talmud, c'est vrai, il ne peut pas réparer, mais quand même, le père, s'il a fait teshuva, son fils sera condamnable en pénal s'il le frappe. Alors regardez, ici, qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'intelligence artificielle? Alors, je reprends. La Mishnah nous dit que si quelqu'un a mis au monde un mamzer, ce mamzer, s'il frappe son père ou s'il le maudit, le fils est condamnable en pénal. Là-dessus, l'Agmara dit, mais l'interdit de frapper ou de maudire, c'est si c'est quelqu'un de correct. Mais quelqu'un qui est un impie, il n'y a pas d'interdit, ni de frapper, ni de maudire. Or là, le père, c'est un impie, puisqu'il a mis au monde cet enfant en allant avec soit un inceste, soit avec une femme interdite, soit avec une femme mariée qui lui était interdite. Réponse,
Réponse ? On parle du cas lambda où le père a fait tchouva. La tchouva, il m'a dit, mais c'est pas possible, la tchouva s'est réparée. Ok, c'est vrai, il peut pas réparer. Il peut pas réparer, mais quand même, le père, il peut faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva ? C'est faire tchouva. C'est s'acheter une kippa narnar et se mettre des tzitzit. C'est quoi faire tchouva ? Comment ? Regretter, revenir sur ses actions. D'accord, mais ça n'empêche pas que c'est un salaud. Ça, on a acté. Ça veut dire qu'on a acté le fait. Non, que ce soit un salaud, non. Mais si c'est un salaud. Mais c'est un salaud. Ce qu'il a fait, il a fait. Mais regarde. L'Agmara, elle a acté. Moi, je suis. On ne peut pas revenir. C'est comme, regardez, je ne sais pas moi. Regardez, on dit. Les parents boivent, les enfants trinquent. Ouais. C'est écrit sur les bouteilles, mesdames, quand vous êtes enceinte, ne buvez pas d'alcool. La nana, ouais, avant de dormir, elle se fait une demi-bouteille de Jack Daniel. D'accord ? Et elle est enceinte. D'accord ? Et le monde, après, il est... Ouais. Elle m'a foutu ma vie en l'air. Je suis handicapé à cause des saloperies de mes parents. Ah, ils ont fait tchouba, elle boit plus rien. Et maintenant, ça y est, maintenant, elle est abstinente par rapport au Jack Daniel. Mais je m'en fous, moi, je suis handicapé à cause des forfaits de ces salauds. Ah, ils ont fait tchouba, ah, ça y est, maintenant, ils prennent plus de Jack Daniel. Mais alors, la question se poserait pour n'importe quelle blessure physique irrémédiable. J'ai coupé le bras de quelqu'un. Je peux pas faire tchouva du tout, parce que je vais couper son bras et que jamais personne lui rendra un bras. Bon, tu sais, il y en a qui profitent comme ça des assurances jusqu'à la fin de leur jour. Ils n'ont pas besoin de bosser. Baruch Hashem, j'ai un bras en moins. Maintenant, je peux aller étudier toute la journée à l'échiva des étudiants grâce à la rente des assurances. Mais bon. Mais bon, c'est un exemple. L'exemple, alors regardez, je reprends. Ici, on parle, un monsieur, une dame, ils ont fait une faute très grave. Cette faute très grave a comme conséquence que leur enfant a un handicap majeur. C'est un handicap majeur. À cause de ce qu'ils ont fait. Cette faute, fait que la personne se sort de la catégorie globale de ce qu'on appelle du bon juif. C'est plus un bon juif. Donc, il n'y a plus l'interdit de frapper, pas l'interdit de maudire, etc. Ok, bien. Là-dessus, comment ça se fait que la Mishnah nous dit qu'un mamzer, s'il frappe son père, il est condamnable en pénal. Ah, on parle du cas où le père ou la mère, le père en l'occurrence ici, le père, il s'est repris de sa faute. Et qu'est-ce que ça change qu'il a repris de sa faute, mais moi je suis handicapé à cause de lui? Je suis handicapé à cause de lui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a fait tchouva ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il regrette. Toi, tu dis, Lionel, il regrette sa faute. Il jeûne tous les lundis et jeudis d'avoir fait une bêtise pareille. Ouais, il jeûne. Sheni Chamishi, il jeûne. Lundi, jeudi, il jeûne. Ah, jusqu'à la fin de ses jours, il pleure. Et là, son livre de Tehillim est mouillé tellement il pleure sur ce qu'il a fait. Je m'en fous de ton sinoche. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce sinoche ? Mais tu m'as foutu en l'air. Il
Non mais ça foutu en l'air, de toute façon c'est... Mais tu m'as foutu en l'air, salaud. On n'a pas besoin d'arriver au Mamzer pour ça. Dit la même chose, il n'y a pas eu de Mamzer. Mais il a quand même détruit deux familles, parce qu'il y a les enfants, il y a truc, ça se sait, et il n'y a pas eu de Mamzer. C'est pareil, c'est aussi un salaud. Il a détruit, ils ont détruit deux familles, etc. Donc même sans arriver au Mamzer, tu peux... C'est un cas d'école, ouais, non, pour nous permettre de réfléchir. Mais non, Restons sur ce cas. Est-ce que pour autant je suis défini par l'acte que j'ai fait à un moment T? Ça veut dire, est-ce que je suis la Avera? Est-ce que je suis l'acte qui a causé ce mamzer? Ou est-ce que je peux dépasser ce que j'ai fait à un moment de ma vie? Non, alors d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas de sortie? Ok, non mais d'accord, moi je te suis. Alors d'accord, tu peux dépasser ça. Si ça te fait plaisir, mais ça ne me change rien à moi. Mais si la Avera, c'est la sans la Avera, il ne serait pas né. Donc il ne peut pas râler au père de l'avoir fait naître. C'est littéralement, dans le droit français, l'enfant qui est né. Non, non, laisse le droit français, c'est trop compliqué. Non, si on est dans le Talmud, déjà, on le Talmud, après on verra le droit français. C'est pareil, il ne peut pas râler au père de l'avoir fait. Oui, c'est vrai que tu fais du droit. Non, mais, mais regarde, restons. Dans le Talmud. Parce que c'est déjà... Comment ? La Avera l'a fait naître. Il ne peut pas râler contre la Avera. Et ma vie, c'est une saloperie. Ma vie, c'est une saloperie. Je crache, regarde. Mais... Et bien, justement, ma vie, c'est une saloperie. Voilà, ma vie, c'est une saloperie. Voilà. Ça aurait été mieux que je sois pas là. Voilà. Tzvi, sa vie, ma vie. Il m'a mis une vie d'enfer. Monsieur Fetchouba. Monsieur Fetchouba, salaud, hypocrite, tartuffe. Non mais si Fetchouba dans ce cas-là, j'interviens, c'est pas possible. Non mais c'est du déterminisme quoi. Quoi? Bah de dire il y a moi on m'a fait. Tu sais, il faut faire attention à les mots plus de 5 lettres. Moi, Aristote, ça va, mais déterminisme. Ça rend besoin. Mais le déterminisme, il est là. Le déterminisme est là, ma vie. Voilà, c'est ça ma question. Ça veut dire, est-ce que la personne, elle est définie par sa lignée, son père, sa mère, son statut, là où il est né, comment il est né? Voilà, mais mes parents, c'est des rescapés des camps de concentration. Mes parents, c'est des rescapés. Mes parents, c'est des rescapés des camps de concentration. Attendez, mais c'est connu que les enfants de rescapés sont plus marteaux que ceux qui étaient dans les camps de concentration. Alors, ils m'ont foutu ma vie en l'air avec leur déprime, leur silence, leur truc. C'est des salauds. Bah, on va pas leur excuser. Allez, non, maintenant, ils vont au bal musette. Mais, d'accord, mais quand même, regarde, l'ambiance dans laquelle j'ai grandi pendant 20 ans. Ah, maintenant, ils ont fait de chouma. Maintenant, ils sont joyeux, ils sont plus déprimés, ils sont plus dans la mémoire des camps. Je m'en fous, moi, ils m'ont foutu en l'air. Brave. Je comprends très bien ce que vous dites. Et en fait, ça pose la question du pardon. Mais le cas oui, non, mais oui, c'est le sujet. Le produit de cette déconnade, en fait, de deux personnes, s'il le sait, mais que on ne le lui dit pas, et que c'est ça qui le gêne, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Regardez, la vérité libère, en fait. Oui, mais si vous voulez, ici, dans le droit juif, la vérité invalide. On ne peut pas lier le père à l'acte du fils. L'acte du fils, il est à son point, c'est tout. Un point, c'est tout. Gary. L'acte de faire tes choix, il peut vouloir faire tes choix.
Après, que son fils le pardonne, c'est encore autre chose, je pense, et c'est peut-être ça. Est-ce que le fils qui n'a pas pardonné à son père peut le maudire? C'est différent du père qui veut obtenir le pardon de son fils. Et donc, tant qu'il ne l'a pas obtenu, il peut essayer de faire quelque chose, il peut sortir de ce déterminisme-là. Mais après, c'est est-ce que le fils le pardonne? Est-ce qu'il peut continuer de le maudire? Et c'est, je pense, la différence. Je pensais à Kippour, parce qu'à Kippour, on essaie d'obtenir à la fois le pardon de Dieu, mais à la fois le pardon aussi des autres pour les actes qu'on a faits. Oui, mais justement, tu as tout à fait raison. À Yom Kippour, on dit Mikol Chatotechem Lifna Hashem Titarou, de toutes les fautes devant Dieu, vous vous purifierez. N'est pas devant les hommes. Si ça n'a pas été réparé avec les hommes, Yom Kippour ne sert à rien. Yom Kippour ne sert à rien. Mais je reprends ce que dit Yosef. Alors c'est vrai, tu veux dire, ton prénom c'est Jérémy, c'est ça? Oui. Que tu voulais dire? Je voulais juste dire quelque chose, c'est que pourquoi en fait on fait la distinction, pourquoi on met directement une relation en fait? Pourquoi on ne parle pas juste du principe que c'est une faute? Je ne vais pas dire comme une autre, mais c'est juste une faute grave. Et on dit directement, c'est le père de mon fils. Et si tu veux, le cas d'espèce ici, c'est que quelqu'un, il fait une faute. Quelqu'un, il transgresse Shabbat. C'est ses oignons. Mais là, il transgresse une faute qui donne un statut invalidant à l'enfant. C'est ça le problème. Oui, mais en prenant, c'est ce que disait Yosef. Je pense qu'il dit la même chose, Jérémy. Je suis d'accord avec ça. Non, c'est si on part du... Là, le texte, il part du point de vue du fils. Par le du fils. Mais donc le fils, il fait une faute. On s'en fout de ce qu'a fait le père, à la limite. Alors regardez. Moi, je pense qu'avec le gros mot de déterminisme, ouais, c'est vrai, c'est le sujet. C'est le sujet. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'handicap. Voilà. Moi, je ne suis pas féru dans le sujet, mais ici, c'est un handicap. Mais tu as des handicaps qui sont indépendants de la volonté de l'homme. Mais là, c'est un handicap qui est le fruit de l'action humaine. Alors, il m'a rendu par sa faute, mon père m'a rendu handicapé. Maintenant, oui Jérémy. Pour faire l'avocat du diable en fait. Parce que là, pourquoi pas donner si cette position-là, cette faute-là, cette accusation-là, juste à quelqu'un qui a un père qui n'a pas fauté, du coup. En fait, et que le fils est juste handicapé, par exemple, a perdu l'usage de ses jambes de base. Excuse-moi. Est-ce que c'est pas forcément... J'ai pas entendu, répète. Est-ce qu'on pourrait attribuer aussi ce cas, je dirais, à quelqu'un dont le père n'a pas fait de faute, ou c'est directement, en fait, juste à la naissance, bah tiens, je peux pas utiliser mes jambes, j'aurais préféré mourir que naître, parce que je peux pas avoir cette joie-là. C'est vrai. Ça, cette problématique est pas loin. C'est pas loin. Il y a quelqu'un, il dit, mais pourquoi je suis né? Pourquoi je suis né? Alors, il me semble effectivement, si tu veux, le problème du déterminisme, c'est un problème théorique. Ici, c'est un problème pratique. C'est que quelqu'un a un handicap. C'est à cause de mon père et de ma mère que je suis dans cet handicap. Là-dessus, on dit, ah oui, mais il regrette, mais pas pour du pipeau. Ouais, c'est pas, ouais, je regrette. Tu vois, tu as des gens qui disent, quelqu'un m'a fait une saloperie. Moi, ça m'est arrivé, des gens m'ont fait une saloperie. Ouais, je les vois, et dis, oh, tu sais, je te demande pardon. Ah, tu crois que tu me demandes? Ouais, monsieur me demande pardon. Oh, tout le monde pardon. Non, c'est pleure. Pleure. Chiale. Tout le monde pardon. Il y a des gens, ils font des choses terribles. Je te demande pardon. Ça va pas ou quoi? Avec ce que tu m'as fait, tu me demandes pardon. Mais je sais pas, je peux pas supporter un truc pareil. Je sais pas. Montre que
que tu souffres d'avoir, de m'avoir fait ce que tu as. Ok, alors la personne, elle souffre. Elle souffre, c'est pas du pipeau. Mais ça change rien. Ça change rien que je suis dans la mouise. Ça change rien. Non, mais que... ça change quelque chose à la relation que moi, j'entretiens à mon père. Alors, ici, c'est parce qu'en vérité, le problème, si vous voulez, c'est ici, la relation du fils ici, au père. Ce texte, il me semble, est bouleversant. C'est que je peux admettre, les maîtres du Talmud conçoivent que quelqu'un peut admettre que celui qu'il a mis dans cette situation terrible peut s'amender. Et il me semble même que si il peut concevoir que son père peut s'amender, alors ça veut dire que moi-même, je ne suis pas esclave de mon handicap. Je suis mamzer, mais il y a une vie, à part le fait d'être mamzer. C'est comme il y a quelqu'un qui a écrit un livre, « Noir n'est pas une profession ». Ouais. Là, ok, je suis noir, mais je ne suis pas 24 heures sur 24 noir. Sur 24 heures, noir. Vous n'avez pas vu, africain ? Mais ce n'est pas une profession. Ça veut dire, je suis mamzer. Mais y a une vie à part le fait d'être mamzer. Ça, c'est, ok, d'accord. D'accord, c'est un handicap. Mais j'ai une responsabilité. Je vis indépendamment du fait. C'est vrai, j'ai un problème. Mais je ne suis pas esclave de ce problème. Si moi j'assume que la personne qui m'a... Cette personne, vous avez raison Pierre, que c'est le problème de pardon. Que si moi j'assume que la personne qui m'a mis dans cet handicap, que maintenant je suis dans une chaise roulante à cause de sa conduite, à cause de sa négligence majeure, de sa bêtise, mais que je vois que cette personne, elle souffre d'avoir fait ça, eh bien, ici, nos maîtres considèrent que c'est possible, qu'on demande même à la personne de considérer que c'est possible que quelqu'un puisse faire jour. C'est possible. Si vous voulez, c'est pour ça, pourquoi dans cette étude sur l'intelligence artificielle, je vous amène ce délire mental. Qu'est-ce que ça a à voir ? Parce que, comme tu as dit, Youssef, que nous, on imagine que nous, on est des machines. On est déterminés. Je suis un enfant de déporté. Je suis un enfant de la banlieue. Je suis un fils de riche. Mes parents sont heureux. Je suis l'enfant d'un couple uni. Quel drame, Joseph. Personne ne me comprend. Non, ça veut dire... On se perçoit comme des machines. Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'homme et la machine, c'est que nous-mêmes, on se perçoit comme des machines. On est déterminé. On perçoit, voilà, j'ai un handicap, je suis un enfant d'immigrés, je suis un enfant de la Shoah, je suis... Ah, vous étiez dans les camps. Vous étiez... Ah, je comprends. Et alors, tu comprends quoi, connard ? T'as compris quoi ? T'as rien compris ? Plus de vous. Moi-même, je comprends pas. C'est quoi ? On est déterminé, on est des petites cases, mais on se perçoit comme ça. Et quelqu'un, je suis mamzer. Ou alors, ouais, je suis une femme battue. Excusez-moi, je sais pas qu'est-ce que c'est, je parle de sujets que je connais pas. Je suis mamzer. Vous comprenez, je suis mamzer. Comprenez, si je suis tueur en série, il faut me comprendre que je suis mamzer. Alors quoi ? Je peux rien dire, t'es mamzer. Tu peux être mamzer, tu peux être sadique, tu peux être rachat.
C'est pas parce que tu es mamzer que tu vas être un rachat. Tu peux être sadique. Tu peux être quelqu'un. Mais regardez l'effort que ça demande. L'effort. C'est ça. Si vous voulez, ça c'est ça le cœur que je voulais voir avec vous. C'est l'effort fou que ça peut demander d'imaginer qu'on n'est pas déterminé. C'est un effort. C'est ça l'enjeu de l'humanité. C'est ça l'enjeu de l'humanité. C'est de faire l'effort que je ne suis pas une détermination. Que ma vie ne dépend pas de mes déterminations. Je peux être mamzer, c'est vrai, c'est terrible. C'est un gros problème. Mais je peux être sadique, même si je suis mamzer. Je peux être quelqu'un de valeureux, quelqu'un de remarquable, quelqu'un de pieux, quelqu'un qui craint Dieu, qui respecte que son père, eh ben, son père existe. Son père existe, que son père a un chemin, que je respecte son chemin. Si je reçois... Et ça aussi, excusez-moi, une machine n'a pas de père. Une machine n'a pas de père, n'a pas de mère. Ça, je crois qu'aussi, que en discutant avec les uns, en discutant avec les autres, il y a une problématique dans notre génération qui a été, on a organisé au mois de janvier un colloque sur la place du Père aujourd'hui. Place du Père aujourd'hui, avec un psychanalyste italien non-juif qui s'appelle Luigi Zoja. Il y en a qui étaient ? Ouais. Il était aussi. C'était bien, hein ? Moi j'ai adoré. Et de Dieu. Mais Luigi Zoja, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Père. Vous l'avez le livre ? Non ? Il est extraordinaire. Il dit quelque chose. Il dit qu'à partir de la révolution industrielle et le travail en usine s'est arrêté. La transmission de père à enfant et a commencé l'école obligatoire quelques années après avec notre bon Jules Ferry. Et aujourd'hui, on apprend avec des machines, on apprend. Il y a des copains à moi qui m'ont dit que dans la formation, dans les instituts de formation, aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus d'enseignants, il y a les machines s'adaptent au profil de chacun, et d'un côté, ce sont des formations adaptées à chacun, mais il n'y a pas de transmission de maître à élève. Et d'ailleurs, dans beaucoup de stages aujourd'hui, c'est entre la tranche de ceux qui sont dans l'apprentissage, entre eux, qui apprennent entre eux avec les machines. Il n'y a plus de transmission. Dire qu'il n'y a plus de transmission, il y a un livre qui a été écrit, Une société sans père, mais déjà, c'est un auteur allemand avec un nom à coucher dehors. Je n'ai pas réussi à le connecter, je l'ai chez moi, ce livre. Vous regarderez Une société sans père. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de père. Mais il n'y a plus de pères, il n'y a que des gens de la même tranche d'âge. Avec les réseaux dits sociaux, d'ailleurs c'est très rigolo qu'on n'appelle pas, on appelle ça les réseaux sociaux, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a trop de social, mais je ne suis pas le seul à le dire, hein. Ça c'est une banalité. Mais on apprend avec des tutoriels, avec des gens de notre même tranche d'âge, et il n'y a plus la transmission. Dit Luigi Zoja, avec le livre qui s'appelle « Une société sans père », que ça commence avec le travail en usine. Avant, il y avait les pères transmettaient une compétence dans les champs,
ou avec un artisanat où ça se transmettait, le pâtissier enseignait à son fils pâtissier, le vigneron à son fils vigneron, etc. Avec les usines, il y a une rupture de la transmission. Et aujourd'hui, il n'y a plus l'origine, il n'y a plus le père. Or, accepter, en vérité, accepter les problèmes, parce que moi, je suis le produit de mes parents. Mes problèmes, ils ne sont pas venus comme ça. Mes problématiques, elles ne sont pas venues comme ça. Elles sont venues parce qu'il y a un papa et une maman qui m'ont mis dans cette Louise qui s'appelle moi. Donc, une solution, c'est d'évincer papa-maman. Il n'y a plus papa-maman. Il n'y a plus papa-maman et tout va bien. Mais s'il n'y a plus papa-maman, ça veut dire en vérité, il n'y a plus une confrontation de liberté. Ça veut dire, je suis le tenant et l'aboutissant de moi-même et en vérité, je suis dans ma détermination. J'ai, en refusant la confrontation avec ceux qui m'ont amené au monde, en vérité, en refusant, je refuse ma liberté. Je suis que dans ma détermination. Ça, c'est ce passage qui, je dirais, est un passage bouleversant. Et aujourd'hui, on est le septième jour de Sukkot. C'est en vérité le jugement qui commence à Rosh Hashanah, qui continue à Yom Kippour, se conclut aujourd'hui, le septième jour de Sukkot. C'est que nous, on est des êtres qui sont libres. Ce que nous, le peuple juif, on transmet à travers l'humanité, que nous ne sommes pas déterminés. On était un peuple d'esclaves, on est sorti de l'esclavage. On peut sortir de son esclavage, on est libre. Et ça, c'est un travail énorme. Ce passage prophétique, il me semble que c'est une vision absolument prophétique. Comment quelqu'un qui subit un handicap majeur, comme on l'a dit, eh bien, on exige de lui qu'il supporte la liberté, que son père est libre. Si il supporte que son père est libre, eh bien, en ricochet, il pourra percevoir que lui-même est libre et n'est pas esclave de son handicap. J'ai un handicap, mais je n'en suis pas esclave. Oui, Raphaël. En fait, il y a peut-être même en plus une dimension supplémentaire, c'est que c'est probablement que dans le cas d'un fils Namzer avec le père, si le père fait teshuva, c'est aussi que lui-même en tant que père, il a vu dans son fils Namzer la faute qu'il a commise quelque part, et que du coup c'est par le fait d'avoir réalisé lui-même ce qu'il a commis, il a vu son fils, qu'il a fait teshuva, et donc en fait le fils, soit il peut de lui-même tout seul se dire je pardonne à mon père, ou dans cette dimension, soit en regardant quelle est sa situation, il peut se dire soit je suis mamzer, soit ma situation c'est aussi celle de celui par qui mon père a fait teshuva. Et en fait comme ça quelque part il peut aussi rentrer en résonance avec son père, et c'est par là en fait qu'il peut sortir du simple déterminisme de s'aligner avec son père, et qu'en fait il peut rentrer dans une autre dimension de la relation avec son père, d'être celui par qui il a fait teshuva, et en fait ça peut l'aider aussi. C'est vrai, mais avoue que c'est terrible. Ouais, bien sûr. Avoue que moi ça me dépasse l'entendement. Non, mais c'est juste des clés pour qu'on est face absolument à nos parents ou à nos pères au sens large, de se dire on est aussi nous-mêmes l'objet de la teshuva de quelqu'un, mais ça c'est très complet. Comment on retranche ça avec l'intelligence artificielle? J'ai une question. Tout de suite, Salomé. Oui, je raccroche de manière suivante. Il me semble que c'est tout à fait dans le sujet, en cela que. Cela que on se perçoit l'humain, nous-mêmes, on se perçoit comme des machines. C'est pas le problème, c'est pas la machine. C'est moi, je suis une machine. Moi, je suis déterminé, comme a dit Yosef Mulzano. Ça veut dire que je suis mamzer. Qu'est-ce que vous voulez, je suis mamzer? Qu'est-ce que vous voulez? J'étais un enfant battu. Mes parents me battaient. Donc. Enfin, le moment, ça raccroche, je ne le vois pas là. C'est machine au sens déterminé. Déterminé.
Ça veut dire. Par rapport à une machine à café, ça marcherait aussi alors. Non, moi j'ai. Non. Cette démarche non, de non, non, le, un algorithme, on ne peut pas le faire. Voilà, c'est-à-dire qu'une machine, je ne sais pas, je n'ai pas de pratique des machines. Enfin, j'ai un PC, je travaille sur un PC, mais pas plus que ça. Mais ma question, mais, c'est cette dualité, liberté, déterminisme dans le rapport du fils au père tel qu'on l'a étudié avec le Menzer et la Teshuva, là, à quel moment ça concerne l'intelligence artificielle? Oui, c'est que le Salomé, oui, oui. Je raccrocherai de cette façon, c'est qu'en fait, la spécificité humaine, si on reprend la question de départ, elle est liée justement à ce rapport à la faute. Et la machine n'entretient pas du tout ce rapport à la faute. C'est-à-dire, imaginons une intelligence artificielle qui est programmée pour donner des diagnostics médicaux. Si elle se trompe, il n'y aura pas l'implication émotionnelle dont on parlait tout à l'heure. Oui, mais en fait, on peut juste dire les machines n'ont pas d'émotion. Là, on a parlé pendant longtemps de plein d'autres notions. Alors, oui, mais c'est, en vrai, c'était surtout oui, pour parler de la notion de faute. Oui, mais ce que je veux dire, Jérémy, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la machine le problème. C'est que nous, on est des machines. Oui, mais la machine de l'intelligence artificielle, elle pourrait prendre la place de l'homme parce qu'on utilise un mot qui est dédié à l'homme, qui est le mot intelligence. Et dans le précédent texte, on a démontré qu'il y a certaines intelligences que la machine ne pourra jamais accéder, voilà. Comme l'intelligence première de la transmission, limité, etc. Là, il est où le moment où on dit non, on est vraiment sur deux choses de nature complètement différentes. Ben, l'évolution. Là, tout ce qu'on a dit, c'est que nous ne sommes pas des machines. Une intelligence artificielle, elle fonctionne avec un certain nombre de bases de données, quoi. Un certain nombre de données. Elle ne dépassera pas ces données. Et un, elle ne dépassera pas ces données. Deux, elle ne dépassera pas le prompt, la demande effectuée par l'humain. Donc en fait, elle est totale. Elle est totale. Elle est encadrée, elle est limitée, elle est fermée, elle est machin. Elle ne peut pas accéder à la liberté. C'est l'objet de la discussion. Elle ne peut pas accéder à la liberté. C'est-à-dire, nous, en fait, on est des machines. Mais elle ne peut pas déjà accéder à la conscience. Il y a un truc, même avec le, mine de rien, avec le machine learning, l'intelligence ne pourra pas pardonner son géniteur d'avoir fait même zéro. Ça, je l'ai compris. Mais la réalité, c'est que ça n'arrivera jamais. Et l'intelligence artificielle, de toute façon, est très très loin de faire ce genre de choses. Le moment où on apprend à pas évoluer, le problème humaine, elle est sur le raisonnement. Elle était limitée. Elle ne pourra pas changer. Dans la capacité à pardonner ou la capacité à concevoir que son père a pu arriver à une liberté de pardon, changer les conditions. Voilà, changer le paradigme. C'est-à-dire que. Moi, je reprends parce que moi, je trouve le cas présenté ici parfait. Que il y a quelqu'un, on risque de me répéter, il a un handicap majeur. Cet handicap majeur, c'est dû à un tel et un tel. Voilà. Et un tel regrette de l'avoir fait, sincèrement. Il regrette sincèrement. Pour moi, ça ne change rien, puisque j'ai toujours cet handicap. Donc je le frappe, je crache dessus, je le bute. Tout à l'heure, il me dit, tu vas être condamné à mort pénale. Quand condamné à mort pénale, mais c'est un salaud. Non, c'est pas un salaud. Quoi, c'est un salaud. Mais là, je dois faire un travail d'imaginer qu'il peut se reprendre. C'est un travail. Ce travail-là, pas tout le monde est capable de le faire. Je ne sais pas si moi je serais capable de le faire. C'est quoi ce travail? C'est de je reprends les mots qu'a dit Yosef Murciano, de sortir de mon déterminisme. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. On n'est pas éduqué à ça. Et
Et une machine, pour reprendre ce qui a été dit ici, c'est pas moi qui l'ai dit, mais ce qui a été dit ici, une machine ne peut pas s'émanciper des données qu'on lui donne, même si elle peut enrichir énormément ces données, mais elle ne peut pas sortir des données. Ici, on te demande de sortir des données dans lesquelles tu es. J'ai le sentiment qu'on s'est autorisé à utiliser des verbes qui sont dédiés au genre humain pour parler de la machine. Je pense que la machine, on peut dire que l'homme peut ou ne peut pas sortir de son déterminisme. Le dire sur la machine, ça n'a aucun sens, comme si on le disait sur un animal. Ça n'a aucun sens, mais on est... Enfin, à titre personnel, et je pense que c'est peut-être le cas de beaucoup de gens, on est dans ce vertige justement de l'accélération des capacités de ces machines. Moi, j'ai ce vertige. Voilà, moi, petite dame, j'ai ce vertige. On a tous eu des expériences, on a vu que la machine, elle faisait quand même beaucoup d'erreurs. Hein, donc, ok, elle fait beaucoup d'erreurs, elle en fait beaucoup moins qu'il y a un an, et dans un an, elle en fera encore moins. Donc on a ce vertige. Mais ça, les erreurs de la machine, c'est fini dans très bientôt. Non, moi, j'ai voulu plaquer un raisonnement comme quoi une machine aurait pu, peut-être, se libérer de son déterminisme, alors qu'il y a plein d'autres choses que tu vois. Alors, laissons l'intelligence artificielle. Non, 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 mais je rajoute. Les gens qui me connaissent ne supportent pas un truc chez moi, je le sais, c'est la guerre que je fais à la psychologie. Les gens, ils ont envie de me buter quand je parle de psycho. La psychologie a été surtout développée au 19e siècle par des Allemands, en plein milieu de la première révolution industrielle. La première révolution industrielle, c'est la découverte des machines. Découverte des machines, la machine à vapeur, c'est les machines. Et même, ils ont voulu faire des systèmes. L'histoire, c'est une machine. Ça a été Hegel, ça a été Marx, c'est-à-dire la machine de l'histoire, et l'humain, il y a des lois dans l'humain. Ils ont voulu dire, un homme, voilà, il fonctionne comme ça, vous voyez, toi, tu es, je reprends, tu es un enfant de déporté, donc, voilà, donc, tu es un enfant de déporté, donc, tu es un enfant d'immigré, donc, tu es séfarade, donc, tu es ashkenaz, donc, Tu manges la carpe à la juif, donc, voilà, donc, c'est les temps modernes de Charles Chaplin, donc, voilà. Mais ça, c'est pas l'intelligence artificielle, la machine, c'est la machine. En vérité, l'homme qui crée la machine, quelque part, il s'identifie à cette machine. J'ai discuté avec mon ami Yehuda, que le 19e siècle, c'était l'homme roi qui domine la technologie, qui crée la tour Eiffel, qui fait des ponts en acier et qui domine la nature. Eh bien, cette perception, elle est exacerbée aujourd'hui avec la machine. On vit une symbiose avec les machines. La machine, avant, c'était l'usine. Maintenant, la machine, elle est chez moi. Je vis avec des machines tout le temps. Et ce travail incroyable que nos maîtres exigent de nous, je pense qu'il est complètement zappé. C'est ça ce que je voulais souligner. Ce modèle, en fait. La par. On se pense être machine. On se pense être machine. Voilà. On s'identifie à la machine. On n'a pas l'idée qu'on peut changer de paradigme. On peut prendre une distance par rapport à ça. Même, on n'a pas la distance, mon ami Michel Lejoyeux, ici présent.
que j'ai entendu il y a X années à Europe numéro 1 en disant mais fermez un jour par semaine vos machines, sortez de vos addictions en fermant vos machines une fois. C'est une bonne idée, j'ai vu ça quelque part. Ouais, mais cette distance par rapport à la machine, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Donc voilà, ça, c'est vrai, ce n'est pas stricto sensu sur l'intelligence artificielle, mais je dirais sur la notion de machine. Voilà. La première partie de notre étude était sur la dimension de l'intelligence, effectivement, là c'est un deuxième aspect. Voilà.